This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class LLC. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe en ce dimanche 24 mars 2024. Au menu de cette édition, Haïti, la crise multidimensionnelle. Comment sortir de l'impasse? C'est le thème de la conférence virtuelle qui sera présentée ce soir sur le 91.5 FM par le cinéaste Arnold Antonin. Cette conférence sera relayée en direct par Radio Centre-Ville à Montréal. Des sessions de travail sont en cours pour préparer la tenue prochaine à Brooklyn College d'un symposium pour lancer la convention de la diaspora haïtienne. La prochaine réunion face à face est prévue pour le samedi 30 mars prochain à Besker College, East Orange, New Jersey. Le 20 avril prochain sera organisée la journée du livre et des médias à l'auditorium du Gateway Christian Church, Valley Stream, New York. Les Chanceux des Instituts organisent le mardi 26 mars prochain à la salle Soubo du Brooklyn College une table ronde sur la crise politique haïtienne avec la participation de Dr. Nathalie Frédéric-Pierre, Dr. Gemina Pierre, de la journaliste Monique Lesca, et du docteur Gérard Eugène Fouron. Comme invité ce matin, nous avons le docteur Franz-Antoine Lecomte, Jean Refusé, Lucien Bourdeau, Eddy André, Erol Dasque, Jean-Gary Raymond, Gonal Motion, Jean Béliard Lucien et le docteur Joram Réjoui.
Haïti première classe, je suis religieusement ou pas capable. Parce que 8h du matin, même si je rentre à 5h du matin, il faut m'ouvrir la télévision pour regarder Haïti première classe, number one. Na prochaine matin en Haïti première classe, Lucien Bourdeau, comme nous connaissons, qui sont artistes qui travaillent en pile dans la communauté, il est toujours souterrain, il toujours supporte tout ça haïtien, il t'a remis pays changer. Lucien, qui sont votés pour nous là? Bon, comparativement, avant que je starte, je vais une grande salutation à la communauté haïtienne qui est dehors et qui est dedans. Ok. C'est-à-dire que haïtien qui est dehors pays et haïtien qui est dedans pays. Je félicite en pile haïtien qui dans dedans pays parce que je crois qu'il a lutté, il a risqué vie pour voir que si Haïti a si n'a pas une vie meilleure. Même nous même qui dans diaspora qui dehors, nous t'a rentré en Haïti. Parce que même regardez moi même qui a plus de quarantaine d'années que m'ta même rentré en Haïti, j'ai l'impression que si m'ta rentré en Haïti, regardez c'est pas tu ou pas tuer m'te peu. OK non, yo poko tuer. Comme yo poko tuer pas entrer en aller. En attendant, quitte me chita sous tableau ça que m'va le montrer nous. OK. Tableau ça, t'es montrer m'a montrer dans tableau ça, un petit tableau ça. Never too late. Il va jamais trop tard. Pour côté nous sorti là. Les que blanc t'es al prendre nous en Afrique, dit t'es mené nous, mais qui gens que dit accueillir nous. OK? Dans gens que t'a accueilli là, tu que veut dire? M'a regardé exactement, gen ou tronc, gen ou arbre là, gon pied bois là, sur tronc d'arbre que lié. Rappelons la tête tronc d'arbre là, gen tout sain l'ouverture. Tout sain l'ouverture leur ça yo t'est capturé, et t'a capturé esclave yo en Afrique, tout sain l'ouverture pour qu'on fait. C'était grand-père tout sain l'ouverture qui était là parmi tous ces esclaves. En parlant d'eux, le grand-père de toutes ces vertus, même je vais répéter. Okay. Non. Point bon. Qu'on va faire, c'est que maintenant, nous sortis loin. Maintenant, nous sortis très très loin. Ok. Ok. Maintenant, je me demande comment se fait-il que nous n'a punch l'autre la date. Nous pas capable de faire ou seul ou façon telle que pour organiser Haïti, pour Haïti devenir pour jalter avant. Ok. Bon. Maintenant, je finis avec tableau ça. Ok. Je vais déplacer tableau ça pour mettre ou l'autre tableau pour nous ou l'autre tableau. Gen tableau ça, je n'ai pas gardé tableau ça, ou est-ce que drapeau haïtien qui là, ou en collection yeux, qui a crié, c'est yeux haïtien, qui a pleuré pour sur le sort de pays noir. Maintenant, moi-même, as un artiste, je n'ai pas gardé au milieu tableau après ou book qui écrit Peace and Love. C'est ça que même t'a aimé pour Haïti. N'ta aimé que n'ta fait la paix. Ça qui fait que n'ta aimé n'ta fait la paix parce que nous t'ai conseillé bande de bagaille au début. Tout bail ça nous t'ai gagné nous brûler yo. C'est-à-dire que démocratie, human rights, éducation, light, transparence, peace, personnalité, respect. Tout bataille nous brûler yo même artiste qui a parlé à l'italien que ni montrer que il est que pour nous stop bataille mais pour nous stop bataille pour nous ça brûler pour nous stop brûler bataille parce que en même temps que n'a brûler bataille c'est Haïti que n'a brûler tout pendant que n'a brûler tout bataille parce que on regarde exactement drapeau haïtien qui gain sans sous lit qui a tombé. Et bien, c'est ça qui t'a fait que le monde sérieux t'a crié, il t'a gagné l'âme aux yeux. Après que nous finissons de faire peuple haïtien à crier, nous avons que nous apporter au changement. Mais changement, changement c'est love. Ouais, grappe rose qui a monté, noir là et blanc qui a porté pour peuple haïtien. Love, peace and love. Maintenant, après les toutes bases ça yo fini, maintenant gon l'autre bail encore que m'ka pas montrer nous pral content, n'a pri, n'a pétoyé pays a. Toutes bases ça yo que nous que nous t'ai brûlé yo. Maintenant, faut remplacer yo. Là nous remplacer yo. Ouais. Ouais, en premier lieu, nous jeune la Bible
qui a un pile message là-dedans lui. Ou vinn jwenn love, ou vinn jwenn peace, ou vinn jwenn constitution, ou vinn jwenn justice, ou vinn jwenn éducation, ou vinn jwenn healthcare for all, une démocratie et transparence. C'est tout bay sa yo nou mezwen nan program nou. Quel que soit moun nan ki pral chef d'état, ki pral commander, ki pral nan tèt peyi a, m ta renmen ke pou moun nan, c'est tout bay sa yo pou ta devlopé pou peyi a. Lèl fin déployé, il vin nan fè tout bay sa pou peyi a. Peyi d'Ayiti lè sa, nan gòn souf, nou kapab retounen menm jan te a, ki te la pèl des Antilles la. Haïti la perle des Antilles là. Elle a dit que moun pauvre là, il retourne l'école, il gen l'école pour lui, l'éduquer tête lui, il est devenu médecin, agronome, ingénieur, quel que soit brèche là. L'étudiant pour utile pays à maintenant. Nous retourner ça que nous t'a Haïti la perle des Antilles. OK. Eh bien ce message ça me porter pour nous peuple haïtien. OK. Donc moi ce message là clair et donc artiste là fait tout travail ça, il fait tout tableau ça, il vient toute imagination ça pour. Donc je souhaite que le pays a capable peuple la comprendre message là et que le pays a arrivé faire route ça. D'accord. Merci. Allô tout le monde, it's your lady, Lady Ney, host of Afri Creole. Bon me dire une petite parole. Chaque dimanche matin, 8h pour 10h, nowhere else to be. Haïti première classe. Et si vous manquez, vous pas besoin de worry. Allez dans YouTube, cherchez Haïti première classe. C'est là où vous toutes les informations ou besoin. Ça va passer dans la communauté, ça va passer dans le pays. Un seul show, un seul programme. Haïti première classe. Mercredi passé, devant City Hall, dans New York. Te gen encore une chaîne conférence qui ba là sur situation pays d'Haïti à côté que des leaders ensemble avec et Maïsa à New York là Chapton était là et pour en fait poser problème là d'après bon un petit bout d'image et déclaration Haïti a été fait pour avec intervention pasteur Sam Nicolas dans conférence de presse. Not only what is taking place in Haiti, but in Trinidad and other Caribbean countries. The Caribbean diaspora is finding itself under a siege for some of these weapons, but specifically when gangs are using these weapons to bring about havoc in the country. It impacts not only those who are in Haiti, but what I will continue to say, but the Port-au-Prince of America is New York. Largest Haitian population resides here in our city. Many of them have family members who are currently still there. We receive reports of members of the law enforcement community and members who have loved ones who can't get home. This is very much a New York issue, and it is an issue for the entire national government because this is our hemisphere. It is so important that we deal with the issues in Gaza and deal with the issue in Ukraine and some of the other wars that are playing out on the stage of our globe. But this is in our backyard. It's in our backyard, and many of the residents of Haiti are from New York City, from Miami, and from other parts of the Americas. And it's imperative that we have an immediate response. We cannot ignore it and act like it's not taking place. It is traumatizing loved ones and family members who are here in New York City and other parts of the country. We have an obligation to have ATF and other federal agencies investigate the flow of guns that is proliferating the island. We have an obligation to make sure that we hold any form of deportation of Haitian residents so they are not sent back, particularly during the time of destabilization that's taking place now. We have an obligation of giving our expertise how to bring a level of normality to the country at this time. The Haitian people are our neighbors. They're very much part of what is taking place in this hemisphere, and I think it's imperative that all of us come together, our faith leaders and the organizations that stand behind
behind this as we communicate this issue. And I think it's profound that not only do we have a rabbi, a tabbit, but we have rabbis, but we also have a bishop, Bernard, Reverend Bernard, Pastor Bernard, from one of the largest churches that we have here in the country, if not in the city, also adding a voice. We cannot consider ourselves to be people of faith and watching what is playing out in Haiti at this time. And that's why we're coming together to call for an immediate response, not a long-term think through the problem. There are immediate things we can do right now. Stop the flow of guns, stop the deportation, give the expertise on how to stabilize the community and give the resources that are needed at this time. Again, Reverend Sharpton, thank you for bringing us all together to really hone in on this important issue that's taking place in our hemisphere. Let us hear from Reverend Sam Nichols on the outstanding Haitian American leader. Thank you for standing with our Haitian community. Why are we here? We are asking for immediate help for Haiti. Haiti has turned into a country where we have people that are armed with guns that we did not mass produce, that we did not produce in Haiti, that are fighting with people with machetes. And every single day, people are waking up to people being shot, people being killed in the streets. When speaking to pastors in Haiti, as I did last night, they have to leave their homes. Daily they're leaving their homes. If they were in one place, as the gangs are moving closer, they're having to leave their home to find someplace else. They cannot use their cell phones because they're being tracked. So Haiti is in a state of anarchy, and we are calling here today for immediate help. Whatever help that the federal government can do to release the money that is allocated to Haiti so we can have, whether it's the Kenyans or international force on the ground helping to put security in Haiti. This is the primary reason that we are here. There is bloodshed every single day in Haiti, every single minute, and I assure you, right now as we are speaking, I'm sure that someone is being killed, someone is being slaughtered right now as we're speaking, and we are here today standing with faith leaders asking for the bloodshed in Haiti to stop. We are here asking for the country that Haiti helped to build, the Louisiana Purchase, is because of Haitians, because of 1804 that we rose up, the only successful black revolt that was done. After that, the Louisiana Purchase was done. We helped this country. We helped to build Chicago. So right here, we are asking back here to help. Second thing we're asking, we're asking for the United States government to help to put back democracy in Haiti. Elections need to be done ASAP, as soon as possible, so we can get a country back and running. Thank you for being here today. God bless the United States of America. God bless our island of Haiti. And thank you all for coming out today. Bon, on a pu faire connaître tout que, en fait, chef Southcom, maintenant, des fois, intervention sur maintenant, côté que l'été parlait de qui, en fait, intervention américaine a fait dans cette situation et sécurité en Haïti. Donc, mes déclarations. Tibout, là-dedans. The military always continues to plan and be ready for any possible situation. Certainly, what's happening in Haiti is disappointing and it's very concerning. And so with U.S. Southcom and what we are prepared to do, we want to make sure that we take care of our responses are humane in this crisis that's currently happening. Certainly our Department of State and the diplomatic negotiations and solutions that they're working with other governments in the Caribbean and in the international community and with the U.N., we hope that those will absolutely be successful at the end of the day. Livwell Pharmacy l'ouvri pour aider avec prescription. Li bay vaccin, guide ou sous gens pour prendre médicaments. Li aide ou chercher programme assistance qui basé sur l'âge, assurance et income. Li délivre médicaments la caillou si docteur contacté. Livwell 83 Montvert Mount Place, Newark, New Jersey. Téléphone 973-581-3950. Est-ce que vous êtes fatigué pour chita demander monde pour yon menon kay docteur? Yon perdu jou travail pour yon ka occupé ou?
Pas de raison pour continuer à absenter, c'est un embarrassement pour la famille. Parce que docteur Kevin Well, la caille. Rough and House Call a fait un bon chance de la caille. Que ce soit ses visites routines, l'air malade, renouveler médicaments, tests sanguins, radiographie, sonogramme, tout ça est capable de faire la caille. 855-800-3444. 855-800-3444. Clinique Dr. Daniel de Rivière offre service consultation pour yeux, prescription lunettes avec prévention toute maladie qui affecte vision non. Dr. Daniel de Rivière, 32 North Day Street, Orange, New Jersey, téléphone 973-676-8113. Comme une fleur, ce groupe Tablis Lamboukline, pour vous effleurer tout côté pour toute occasion, tant que mariage, anniversaire, baptême, communion et funérailles. Adresse là, c'est 1452. Flatbush Avenue, entre Farragut et Glenwood. Téléphone 718-576-6068. Bon, maintenant, je vais voir dans Haïti première classe Jean Garry-Raymond. Donc, la publication que je fais, c'est un roman, un titre roman, c'est dans la reine du Vaudou, comme nous connaissons. En fait, moi, femme, non, tout pendant moi, on a fait focus sur mesdames. Yo. Et valeur pour nous, pour famille, non? Valeur pour communauté, nous tous. Et focus, et Jean-Garry Raymond, dans le roman, ça, c'est en fait la reine du Vaudou. Ça, ça veut dire dans la reine du Vaudou. Je salue Dr. Fayette et je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices Haïti première classe. Et je suis très content de retrouver parmi nous ce plateau ça, et pour me parler de roman qui à peine publié sur Amazon. Et titre là, c'est dans la reine du Vaudou, et sous-titre là, c'est La femme de l'aube aux portes des mystères. Mm-hmm. C'est un roman, on est capable de dire, qui a caractère social et qui présentait une famille traditionnelle haïtienne en milieu rural, ça n'est en dehors. Et côté que chaque personnage ça yo incarné l'homme haïtien avec toute valeur culturelle et avec tout les symbolisme rêve que yo gagne. OK, dans la reine du Vaudou. Exact. Mon gode pour elle, il semble un mambo, il semble un personnage quand la reine du Vaudou, c'est qui ça? Exactement, son personnage est légendaire, mythique, mais qui pas en quelque sorte un mambo, mais c'est comme on choisit un monde qui appelé et qui servit communauté, qui gagne un aspect, tu es capable de dire, c'est un bienfaitrice en quelque sorte. OK, en dans roman ça, vous présentez en général ta comme une communauté qui gagne valeur, qui servit communauté. En qui capacité que cette communauté a en d'aumen. OK, dans ça qui gagne rapport avec agriculture, li tourner dans communauté parce que gagne approche qui est intéressant, c'était son personnage qui évoluait au fil des pages, au fil de l'histoire parce qu'il était placé en domesticité. Mm-hmm. Donc tout ça nous gon regard critique sur pratique ça en Haïti. Il est que le tourner dans canton côté que le TIA, li des communautés a, li encadrer jeunes yo, li vinn tourner en quelque sorte une figure emblématique, c'est comme un don de soi, c'est en quelque sorte ils font abnégation de c'est monde qui vivent de façon de capable dire désintéressé pour aider communauté à aller de l'avant, aider vers le progrès. OK, là on dit que c'est en fait un personnage qui est d'abord qui prend domesticité la ville là. Exactement. Qui en fait pour une certaine expérience que je viens de partager en tant qu'on leader dans la communauté côté de l'Union. Mm-hmm. Qui ont décrit en dehors sa expérience que li prend connaissance que l'acquéri que l'a partagé avec cette communauté à donner la donne et li permettre que jeunes yo gagnent nouvelle perception et de la vie et li gagnent des notions de foi et de sagesse que l'inculquer communauté ça surtout jeunes yo et jeunes yo t'ai trouvé dans li un guide c'est tout un aura qui t'ai couvert personnage ça à côté que li orienter jeunes yo et li prodiguer de temps à autre des conseils et ça qui est intéressant dans fin roman côté que li traverser da vin en quelque sorte yon figure côté que yo croit ambli planer sur toute communauté a et avant de parler yo t'ai commencé ouais que chan yo et ça gain rapport avec agriculture plantation tout ça que mon était qu'on fait commencer et gon l'autre aspect gon nouveau visage. Est-ce que ça veut dire que vous pensez que ils font une différence à la communauté en termes de production? Exactement. Mm-hmm. C'est une façon pour que l'été orienté communauté côté que l'été fait premier pas, l'été grandi et vers le changement et vers le progrès. Mm-hmm.
Donc c'est qui j'en compare avec le gouverneur Laouzé, par exemple. Et je pense quelque part, il y a peut-être une similitude, une certaine ressemblance en texte gouverneur de Laouzé et dans la Reine du Vaudou. Non. Et pour qui est ça, qui est ce pour penser l'Opé Kilipsa, qui est ce pour penser influencer? Ça, c'est vraiment intéressant. Bon, son livre qui est adressé à toute catégorie, toute tranche d'âge, je suis capable de dire, et jeunes, ou capable de et jeunes, les moins jeunes. Et son livre, je suis capable de dire, qui approuve une perspective nouvelle sous thématique ça, à savoir le vaudou, côté que non, son thématique qui est souvent décriée, une perception négative sous lui, une connotation négative. Et, mais perspective là, c'est à apprendre, comprendre, et faire des recherches, parce que je ne veux dire, nous sommes à l'ère de l'information, information à tous côtés, renseigner et pratiquer une ouverture d'esprit pour que nous soyons capables, ne pas prendre le prône, un retour à la source. Je ne vais pas dire embrasser, mais essayer de comprendre. Parce que tout ça que vous ne comprenez pas, ou pas capable de pointer du doigt, ou pas juger, ou pas capable de décrire. Okay, now, si vous avez une grande phrase, une phrase qui est sortable, un homme qui a acheté le livre sur Amazon, retenu. Et retenu que perspective nouvelle là, c'est un nouveau regard sur thématique ça, à savoir le vaudou. Et Jean, comme je t'ai dit au départ, ce n'est pas en promotion pour culte ancestral là, mais son plaidoirie parce que me senti génération nouvelle là et génération ancienne là, il y a une tendance à mettre de côté et l'âme haïtienne en quelque sorte, parce que le vaudou c'est l'âme haïtienne. Donc vous pensez nous perdu? Nous perdu. Okay. Et c'est nous fait fausse route. Bon, on a rappelé que dans le fin livre là, Jean Garrigon, tout une série de poèmes que monsieur écrit dans le fin livre là, et vous assurer que le matériel qui tombe, et en fait même quoi que. Il y en a qui lit en dans. Exactement, exactement. Ça, c'est une compilation de textes qui était sorti en 2018. Et compilation de textes, ça, c'est sous forme un poème, mais ce n'est pas poème, poésie, dans le sens qui a une rêverie, qui a une mélancolie, mais son poème qui a bousculé en guise de motivation, qui a dit aller de l'avant et ce qui est corps, on est capable de dire. D'accord. Merci Jean-Carré, on a félicité, on a félicité comme on est capable sur Amazon pour prendre avantage de œuvre, ça comprend en fait. Et puis, une prochaine fois, on arrive à lieu qui impacte qu'on fait ce commentaire avec le document. Merci. Ok, merci. C'est moi pour vous. Merci. Au Québec. Moun yo mande moi côté sauveur à Messaya. Moun yo mande moi côté sauveur à Messaya. Moun di yo nous tous ses frères, nous ses petits, yon seul papa. Quand nous c'est temple en religion, c'est l'amour. John Steve Brunache. Chaque fois que je passe à New York, et quel que soit à côté mien, Haïti première classe, c'est là Malchita pour me parler avec nous. Et c'est Haïti première classe que je garde pour me connaître comment la communauté a vibré. Haïti première classe, c'est Kaibam. Et c'est Kaibam. Bon, et moment arrivé pour dans Washington, qu'on est à Dr. Rivière Paris chargé. À quoi c'est, docteur? Bon, Washington, semaine là. Dr. Fayette, bonne question. De l'argent pour l'ancien président payé, parce que, comme on connaît, il y a deux jugements, un jugement pour le payer plus que 45 millions, l'autre là pour lui payer plus que 464 millions. Donc, monsieur, c'est un pire problème dans ce maintenant. Ah bon? Pour le chercher comme la République, à partir de lundi, qui c'est demain si tu veux, mais comme la République. Je suppose que comme la demain. Dès le 25. Donc, si monsieur va comme la demain, ça va passer? Bon, c'est là que. Je vais te la commencer parce que en pile dans motion vient chita nan main prosecuteur comme on connaît un commissaire de gouvernement côté que il doit dire bon l'autre 30 jours s'il veut ou bientôt il doit dire la commencer saisie à 7 monsieur un clic car monsieur gagne dans Manhattan nous voit tout mais jusqu'à présent pourquoi arriver là bon il pourquoi arriver là mais monsieur grand pile problème pour raise comme ça. Tu vas dire monsieur pas un ami là, monsieur tout grand pile cob, il y a un ami qui est cob, non? Monsieur grand pile ami qui est cob, mais tout n'a couru tout, n'a pas dit pas faire quelqu'un dans real estate yo. Il pas que. Il pas veut bail cob là fini pour monsieur pas d'élection, c'est ça? Pas plus ça. Ça tout. Non, je veux là mais il pas veut parler comme ça. Grande question de real estate yo, il pas veut d'accord directement avec commissaire de gouvernement qui oh, va le real estate pour monter bureau. Que ça vaut. Comment ça me le dit? Soit à partir de là. Ça qui. Ou maintenant, non. En gros, on a 6 millions qui déposent un bon pour lui. Bon. Oui, absolument. Oui, mais qui ça parle de valeur à 7? Il y a un bagage, une question, je vais être là tout. On ne va pas juste déposer un bon comme ça.
si bon déposé comme la cash, ça veut dire son gift. Qui ça arrive là pour faire mon cas 400 millions de dollars, 424 millions de dollars, mon taxe pour payer. Oh, si vous avez monsieur comme là, il y a bien pour payer une taxe. Ah! Non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas ajouté taxe ça. Oui, ajouté taxe ça sur lui, sans problème. Sur les amis, 465 ou 550 millions. Donc, vous pensez que vous avez une difficulté pour comme ça vraiment? Bon, jusqu'à présent, dans ce moment-là, il y a une difficulté. À partir de l'autre semaine, nous allons rapporter sur ça. Donc, vous n'êtes pas sûr. Bon, encore une fois, monsieur. Est-ce que monsieur a une option, par exemple, dans Pop Copal pour aller à la banque ou bien dans le reste pour faire bon? Je déclare dans ce moment-là, il n'y a pas de gain. Monsieur, pas de gain? Je déclare qu'il n'y a pas de gain. Avocat, monsieur. Monsieur, comme monsieur a toujours dit, charger l'argent, n'est pas vrai? Bon, encore une fois, comme on dit, bah là, c'est au pied du mur qu'on reconnaît les vrais maçons. Eh bien, il y a checké dans ce moment-là. Donc, vous pensez que vous avez pris pour qu'ils prennent? Bon, encore une fois, quand même, c'est qui est content tout le temps. Non, pas rien, monsieur, t'as couru chez un bout d'eau. C'est petit bon Dieu, mieux tout le monde, c'est petit bon Dieu, mais tout le monde. Oui, on va prier. Les gars, il y a un problème, on va prier. Non, je ne vais pas sourire, Je ne vais pas la voir, je vais sourire. Tout ça veut dire que je vais. Pourquoi la piste souhaité là pour le président Baron comme là? Bon, encore une fois, il y a plus bon. Moi, politique, je vais faire plus pour me rapporter dans la première classe. Si monsieur Baka Jeune, la semaine prochaine, je vais me dire président, si le président n'a pas de cajoune l'argent pour le payer. Ça veut dire que on commence à saisir Marola, go y a saisir New York, on doit rapporter ça net. Pour les autres, t'as pas rapporté? Sans problème, mais de même tout par exemple, dans la même semaine, ça n'a pas parlé là. Petit ancien président, il y a un modèle pour le témoigner devant la commission dans la chambre députée qui a fait question de impeachment là, qu'on y a un gars qui a joindre un bon témoin qui est crédible, qui peut dire ok, mais ça. Qui t'a supposé à faire. Donc, j'ai pas ça, nous rapporter déjà. Non, mais on parle de qui impeachment Biden? Oui, impeachment Biden, pas bien. Mais pourquoi ça pour président Biden pour témoigner dans impeachment Biden? Pas oublier, Fayette, nous toujours dit ça dans la première classe. Parfois, c'est apparence de problème que vous mettez devant comme problème. Soyez toujours, nous dit ça. Il y a plus de monde qui songeait ça, qu'on a parlé. Je me dis qu'il a utilisé petit président comme apparence que monsieur te font barrer qui mal pendant on parle de petit Biden. Petit Biden là. Ok. Sur la semaine là, tout russe bagaille que les gens ont gagné, qui étaient supposés à témoigner, qu'on a annexé en bas arrestation parce que ils ont bien menti dans le bureau fédéral. Yo. Donc ça veut dire que qu'est-ce petit Biden après ce dismiss là, ça? Non, pas dit ça. Qu'est-ce sous impeachment Biden là? Oh, qu'est-ce que pas qu'à joindre mon crédible. À quelle évidence? Y a pas qu'à joindre mon crédible. Ok. Exactement. Soit à partir de là qu'on y a apparence de problème que tu as essayé de créer, hein? Levin tourner contre yo, qu'on y a parce que pas qu'à mon crédible pour mettre devant. Soit à essayer d'utiliser Biden et Hunter Biden encore, mais monsieur papa arrête devant la commission nationale maintenant par contre il va se faire apparaître frère ancien président tout il était essayé faire monsieur Vigny tout bon monsieur témoigné à huis clos petit président tout Hunter tout témoigné à huis clos so, jusqu'à présent il n'y a pas aucun point solide que vous capable mettre devant pour dire mais ça président qui fait comment bah qui mal soit à cause de ça monsieur entre yo il y a bataille c'est ça okay. Fait dans semaine et semaine passée tout. Il y a plusieurs républicains qui déclarent qu'ils ne sont pas prêtés. Ils ne sont pas prêtés dans la chambre d'accord parce qu'ils disent que c'est son cirque que lié, son paquet de clowns qui a foncé de bas et qui n'est pas supposé à faire. Il a quitté ça. Ok. Un gardien, tu as une semaine prochaine. Si le président a pris une copie, on a fait un conseil pour lui. Ok. À la semaine prochaine. Bye bye. Rio Bof, El Delicare, il y a un staff compétent qui paraît pour assister grand monde qui a besoin d'aide la caille. Il y a RN, LPN pour évaluer. Physiothérapiste pour aider à faire exercice. Et tchèche pour aider à ranger koyo. Faire songer, prendre remède. Bayo service avec dignité. Rio Bof, El Delicare, 2322 Grand Avenue, Baldwin, New York. Téléphone 866. C'est 80-35-45. Clinique dentaire, Dr. Jean-Édouard Fayette, offrant pile services tels que rachis dents, cleaning, plombé dents, route canal. 456 Schenectady Avenue, dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Miguel Ressouen et Catherine offrent bon chaque dimanche de midi à 4h.
Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Mirel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Mirel Restaurant, 170 Post Avenue Rosberry, 516-338-4933. P&B Pharmacy, établi dans Brooklyn, New York depuis 2016, et l'a servi communauté comme ça doit. Yon staff courtois, professionnel, qui parle créole et qui remet tout prescription médicaments, cool paré. P&B Pharmacy, 1115, Nostrand Avenue, Brooklyn, New York, téléphone 718-649-1111. 20 avril, Kabila, on coque une chaîne Journée du Livre et Journée Média qui a fait dans Long Island. Donc, ça veut dire que son gros cause est le bras lié. C'est la deuxième fois que Journée du Livre l'a fait et nous avons des gens qui étaient très actifs l'année passée qui ont produit. Et tant que nous avons déjà refusé, nous avons docteur Franz-Antoine Lecomte qui est avec nous, ensemble avec Eddie André. Donc, professeur Lecomte, et une fois encore, et la pignée avec Journée du Livre là. Qui ça dit ou même deuxième année Journée du Livre là? Je pense que son continuité, si vous voulez, dans tout effort qu'a fait dans la communauté, hein, et certains monde qui a pensé pour la communauté à tout, qui pensait que justement, journée de lecture, c'est une activité qui est vraiment valable, c'est-à-dire non seulement au monde pas prêté, ou après mener une sorte de vie assez oiseuse, mais où joindre monde qui a parlé avant, qui gagne des messages d'ordre oral, des messages d'ordre écrit, et puis d'une façon ou d'une autre, presque tout le monde s'est concentré sur la vie d'un pays, sur la vie d'une société, et qui ramenait nous en Haïti. Donc, je pense que pont culturel, ça y est, il toujours supposé établi dans la communauté, hein, parce que l'y forcer mon pensée à culture, l'y forcer mon pensée, si vous voulez, à pays, ou surtout non pays, l'on va vivre dans culture étrangère, ou toujours sujet à une forme d'acculturation. So, m'a toujours battu bravo pour tout le monde qui est dans la communauté, hein, qui a organisé, si vous voulez, des choses culturelles, côté que son savoir, son connaissance viscérale même, il y a mis en haut, il y a développé culture, son sorte de promotion, si vous voulez, de la culture, son sorte de promotion du citoyen et son sorte de promotion, si vous voulez, de la citoyenneté. Parce que tout le monde a un devoir envers la communauté cotohabité, tout le monde a un devoir envers la société cotohabité, tout le monde a un devoir envers pays, envers état. Donc c'est ça, je pense, que nous avons fait là, chaque année, si nous avons renouvelé, au moins, si nous avons fait même plusieurs fois par an, je pense que nous avons une forme d'enrichissement encore mieux. Ok, maintenant, okay. Vous avez refusé, je pense que deuxième année, vous retenez pas de première, vous avez dit l'important. Et pour nous capables à un champ d'activité ça qui permet de nous monter tête nous vienne plus bon. Now, qui ça cap différent de ça dans le programme? Bon, d'abord, et n'a salué tous les spectateurs et puis n'a salué tout pour interview ça. Donc, d'abord, déjà, grande différence. Bon, année passée, donc, première édition, c'était Journée du Livre haïtien et de New York. Donc, année ça, nous, Journée du Livre et des médias haïtiens. C'est-à-dire que, à part que nous regardons les questions livio, nous regardons médiato la dernière. C'est déjà une différence. Donc, c'est que l'année passée, nous avons comme invité d'honneur et Lionel Trouillot. Nous connaissons Lionel Trouillot, un écrivain haïtien qui est en Haïti, qui est très. Qui écrit en pile. Donc, l'année ça, nous avons deux autres et invités d'honneur. Nous avons Lionel Demarat, ensemble avec Darlene Lozis. Donc, on capable de ça, nous gagnons yo. Plus nous gagnons un paquet d'écrivains qui a pu participer à l'activité ça. On dit tout chaque année, toujours un thème oui, pour l'activité. L'année passée, c'était en bâtir une communauté, moun kap li. Bâtir une communauté de lecteurs. Et bien, année ça, tout thème, c'est explorant la pensée et la créativité plurielle de la littérature et des médias haïtiens. On explore, Ndakadou, penser à créativité, différents Ndakadou qui gagnent et non. Littérature avec nos médias haïtiens. Quand dit tout activité ça pour faire tout, c'est une sorte de combite. Par exemple, nous avons docteur Lecomte, nous avons Eddie André, nous avons moi-même, nous avons Gary Daniel, nous avons Yolette Williams, nous avons deux mondes en Haïti, etc. Donc, nous avons déjà gagné en Haïti.
Ok, now, Eddie, nouvelle la gare en Haïti, parce qu'on nous connaît qu'actuellement nous bloquons, et en fait, 20 avril, tout près là, et qui ont senti que ça peut affecter la présence auteurs haïtiens avec journalistes haïtiens qui t'avaient participé dans la journée d'Haïti? Évidemment, nous saluons tous les auditeurs, nous saluons tous et saluons tout le corps qui m'a quelques jours. Et puis Jean, évidemment, puisque nous sommes pas même côté, il faut nous saluer l'autre. Oui, alors, moi, je pensais que l'affectation est grande, d'autant plus qu'il y a un problème de communication aérienne, parce que au parc à voir les hôpitaux, et puisque par un vol, donc elle a pas affecté d'une façon ou d'une autre. Et malheureusement, mais quand même, comme data dédiée, alors c'est obligé, comme Jean Valla a dit, le verre tiré, il faut le boire. Alors moi-même, ça me dit capable de dire, c'est pour y venir à faire. Et communauté n'a pas l'air de bâtissons une communauté de lecteurs, Jean Rodilla, qui était thème à l'année passée, pour qu'on fasse la consolider l'année ça. Et là, on retrouve le code dans sa dédié à tout. Il dit comme ça qu'il faut consolider la réalité ça. Mais moi-même, ça m'a ajouté, c'est que nous, nos communautés de lecteurs, que si chaque fois, ou pas toujours, titiller pour râler sur ça, il n'y a pas de tomber dans le piège, il y a un bout qui dit que la communauté pas nous, la communauté noire essentiellement, à son bout à lire, même à répéter, il est comique, il dit comme ça que l'homme a besoin de cacher un bagage pour un aide, et mais c'est écrit, mettez-le dans le livre, pour que ça soit un calotte marassa, que bah, toute communauté a aimé, c'est un défi ça, chaque fois que nous faisons une initiative comme ça, quel que soit ce côté de fait là, quel que soit souvent que fait là, c'est une façon pour nous combattre la réalité, ça, parce que par exemple, on a permis de tout. Ok, la réalité, oui. Antigène très dur pour nous, vous avez le compte, nous avons dit avec qui sont les crises là. Est-ce qu'on sentit que nous avons fait conseil présidentiel, bien entendu, sur la baguette de CARICOM, et est-ce qu'on sentit nous proches sur les crises là avec les formations conseil présidentiel là, et en fait, vous avez le compte? Malgré difficultés, disons, actualité socio-politico-économique en Haïti, et bagaille qui fait nous mal, parce que nous toutes, tout autant que nous habitons plus loin d'un pays, plus loin de pays, c'est tout autant que nous souffrons peut-être un peu plus, mais quand même, malgré, si vous voulez, la mauvaise situation d'ordre général que qui gagne après en Haïti, eh bien nous-mêmes, ça n'est pas capable empêcher, si vous voulez, que nous fassions des activités, côté que ça fait nous encore peut-être penser beaucoup plus avec ça qu'a fait, si vous voulez, en Haïti. Mais comme on parlait d'une situation, si vous voulez, tout à fait complexe, côté qu'il y a d'un côté le mouvement de l'international, de l'autre le mouvement, si vous voulez, des forces de l'intérieur. Donc, jusqu'à présent, c'est vrai, nous, ouais, on sort de presque aux conditions, si vous voulez, de l'absurde, mais quand même, et ça ne veut pas dire que malgré que nous peinons, malgré que nous sentis que pays, nous, si vous voulez, dans le chaos, au contraire, c'est le ça pour nous affirmer peut-être beaucoup plus de solidarité à lui-même. Et mais est-ce qu'on sent que nos prochaines solutions, d'après l'élection, nos prochaines solutions, puisque d'après. C'est pas que pas qu'il y a une solution, mais alors la solution est difficile parce que je pense que ça qu'a fait en Haïti qu'on y a, c'est nous pour lutter, et, si vous voulez, contre la tradition, c'est-à-dire contre la tradition de l'anarchie, contre la tradition de chien manger chien, si vous voulez, qui toujours existait de manière traditionnelle et qui gagne historicité dans le pays. Donc, je pense que son sorte de rénovation qui peut faire, son sorte de, si vous voulez, effort qui peut faire pour capable de gagner une série de choses qui fait d'une manière consensuelle, qui capable de retirer le pays à côté lié. Il faut, d'une part, la bonne volonté, si vous voulez, des citoyens haïtiens, des forces vives de la nation, et de l'autre, il faudrait un peu plus de bonté, de compréhension, si vous voulez, du monde international. Parce okay, que Haïti, now, tellement. Bonté internationale et consensus et bon côté leader. Et j'ai refusé, est-ce que vous évaluez, sauf un mouvement que fait vers une solution pour crise là, de sorte que écrivez à Haïti à la ville, là, en fait, dans la démarche que la PC fait 20 avril là. Bon, c'est certain que nous avons pile écrivain, même participants, même des collaborateurs qui ont un coup de main. En Haïti, nous avons même pour avoir une activité. Bon, nous connaissons même avion par quoi pour qu'on capable et voler normalement, j'étais supposé voler. Bon, donc c'est dans 4 semaines d'activité, ça va le faire. Oui, je dis dans 20 et dans 4 semaines.
et activité à faire, donc on ne sait pas qui est en question, etc. Mais cependant, je pense que ça que t'as bon, etc., dans tout ça qu'a fait, dans le cadre d'évaluation, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est toujours en cours. Mais il y a une manière pour nous garder, moi c'est garder qui est capable de combattre la question de manipulation. Parce qu'il y a pile de manipulation, il y a pile de monde capable de dire des paroles, etc., qui est là pour ne pas prendre la manipulation. Ça. Et je pense que nous-mêmes qui dehors, qui a un rôle qu'on est capable de jouer. Oui, dans ce sens-là, pas dans le cadre de vous y monter, etc., mais dans le cadre de qui j'en capable de. Et question, yo, qui ça cap bon? Pas pour le monde, pas pour le groupe, mais pour le pays. Oui, pour le pays. Okay, bon, en parlant de manipulation, en fait, Eddie André, nous connaissons que différents groupes voient maintenant le conseil présidentiel là, et que CARICOM a PC créé. Et maintenant, vous avez l'autre élément qui vient de parler côté que Pamela White, ancien ambassadeur américain en Haïti, vient de parler pour ajouter des gens qui ont une gang sous table, qui ont lu et en fait approche ça, Eddie. Bon, deux, c'est un, tant qu'au final, on dit là, c'est une proposition indécente. Pourquoi ça est indécente? Parce que c'est monde qui veut équilibrer les paroles là. Parce que après, c'est pour vos paroles qui ont valeur, pour les pas charrier, on sait où ils ont anti-valeur à la fois. Et pour les gens qui portent la tour, ont crédibilité qui est déjà affichée. Alors, en tant que diplomate, nous pensons que Mme Sahara n'est pas vraiment certifiée. Ça, où est la diplomatie à tout bon gré, puisqu'elle est impliquée en série de bagages. Elle a fait une attitude d'ailleurs avec le bracelet rose dans mes lignes. Donc, ça n'est pas inspiré confiance. Donc, comment qui n'est pas inspiré confiance, il n'y a pas quelqu'un qui a porté un élément de solution dans une crise comme ça. Donc là, nous pensons qu'il faut nous chercher si bagon l'autre agenda caché qui fait justement c'est comme ça, bah, il va dérouler. C'est ça que je suis capable de dire moi-même dans ce sens-là. Ok, non, professeur Lecomte, en fait, Eddie dit que madame n'a pas une crédibilité pour t'entrer dans la question ça. Mais cependant, je pense que sorti de en bouche un ancien diplomate américain, et il y a plus de monde qui pensait son soufflet à toute société haïtienne. Puisque si nous mettons gang yo comme valeur sous table, là, qui ça nous dit à Timoun Gabrandio, professeur Lecomte? En un mot, n'après un monde presque qui a pensé à pays, à au bonheur, si vous voulez, d'Haïti, qui bien accueilli, par exemple, déclaration ancienne diplomate américaine. Non. Pour quelle raison? C'est justement parce que Barra Lavigne fait trop de mélange. Il y a une série de monde qui fait identification de certaines forces, si vous voulez, qui sur le terrain, qui ont une sorte de nocivité, disons, impardonnable. C'est pas comme d'adou que ou en virage au pays, et puis c'est du feu à mettre, par exemple, pour t'arranger. C'est comme si, au contraire, au lieu pour tuer du feu, et puis c'est du feu à plumer. Donc, c'est comme ça, ils percevoient, et peut-être son manque de respect, peut-être son manque de maturité, mais aussi situation tellement confuse que peut-être c'est capable, les idées que le gouvernement américain gagne maintenant tête les tout. Et qu'il faudrait que tout le monde vienne bout à bout, y compris les brigands, y compris les bandits, y compris une série de monde qui peut-être finit tuer combien de mille monde, on ne sait pas. Mais quand même, ça ajoutait beaucoup plus de confusion à la chose, bien que l'État supposé fait qu'on est que c'est ça le gouvernement américain a remis fait. Alors voilà, mais c'est encore plus confus. Non, ça veut dire que déclaration vient de mettre des confusions et Jean. Quand même, et nous connaissons que, en fait, l'activité à l'y prévoit pour, en fait, pour 20 avril, Kabila. D'abord, qui ont senti, so far, et feedback qu'on recevait du public là en termes de gens pour aller chauffer, vin, mettre, by présence, à effort qu'on a fait faire. Bon, à part qu'on ait feedback pour le public là, qui est déjà mobilisé, nous avons plus écrivains même qui sont plus mobilisés. Ouais, nous mettons, ils ont posté déjà, qui gagnent plus que 30 écrivains. Ouais. Mais il y a des gens qui ont gagné l'autre écrivain qui déjà et qui gagne et professeur Fred Williams, c'est Rélim, je dis là. Fred Williams, il a venu. Ouais, nous gagnons deux autres mondes, Vernet et Rélim. Ça veut dire que public à mobiliser, etc. Donc, ça veut dire que je pense que c'est joie, n'attend. Mais, comme je dis, qui côté activité à faire,
Donc, ouais. Donc activité a c'est la fête nan yon et local non presque Gateway Christian Center. Donc adresse ça c'est 502 North Central Avenue, Valley Stream, New York 11580. Quand dit lit tout près, lit tout près Queens, lit tout près Brooklyn, lit tout près tout monde n'importe côté. Par exemple même soit sur New Jersey etc. Parce que nous écrivait tout capé sorti New Jersey qui a pu participer. Donc faut fond dit tout faut nous remercier Dakado et en pile institution, organisation qui patronne activité ça. Et une institution pour nous remercier en pile, c'est Haïti Première Classe. Nous sommes capables, même pendant 4 semaines qui sont passées là, dans chaque édition, yo, Dr. Fayette Théodore toujours dit, mettez date ça dans le calepin nous, 20 avril, pour nous participer dans la journée du livre et des médias haïtiens de New York. OK, now, et professeur Lecomte, et, en fait, dit, c'est sûr qu'on va plan, par contre, notre livre qui apparaît dans cette année, ça, pas que notre dit. Assurément, nous avons un livre naturel depuis 2014, il est pelé, et c'est une bande dessinée liée, c'est une façon, c'est à propos de la communauté, notamment en sport. Donc, la plan apparaît pour 20 avril. Oui, la plan, il y a un bande dessinée pour les jeunes, et la plan bilingue, la plan créole en anglais. OK. Pour vous le compte, et en fait, pas à la crise là, et nous avons un pile de leaders dans la communauté qui a demandé sécurité et élection. Est-ce que vous pensez que le problème qui a résolu that easy? Est-ce que vous pensez sécurité et élection, c'est pour demain dans le pays, pour vous le compte? Même pensez d'abord, quel que soit le mouvement qu'il y a fait en Haïti, hein, il faut que vous preniez des mesures pour y apporter une sorte de pacification, un peu plus d'accalmie. Parce que quand il y a là, tête tout le monde chaud et mon a tiré, mon a mouru. Je crois que il y a des efforts qui pour faire pour forme de pacification, accalmie et un peu d'ordre, un peu de sécurité régnée. Mais c'est pas un bagage qui a fait facile, vite. Parce que il y a une série de bandes qui est éparpillées dans tout le pays, ou par contre qui action qu'il a fait. Est-ce que eux-mêmes, ils ne pas suivre, si vous voulez, un agenda qui était différent, autre que si mais carreau, si vous voulez, dans le pays. Donc, nous espérer sur les Haïtiens qui de bonne foi, et ce que peut-être avec peuple haïtien, hein, et ils sont capables peut-être de jouer nos moyens, et surtout avec le concours du monde international, pour capable essayer de calmer. Mais la solution, ça va se faire attendre. Il faut que Gonti paix, Gonti sécurité, qui pourrait y aller avant, pour série de mouvements capables de faire, pour Haïti capable de transformer, vraiment retourner à la démocratie, à la constitutionnalité. OK, d'accord, pour ça le contact, oh. Merci. Jean, merci. Vous donnez moi dit, Jean. Avant là, les fans, du que l'activité, à part que nous avons un atelier d'écriture, nous avons un tableau ronde, nous avons un témoignage, nous avons un hommage. À part que nous avons parlé, nous avons un tableau ronde tout sous question politique pays. Hein. Par exemple, ouais, parce que c'est un livre avec médias, avec des journalistes, tout. Bien sûr. Il y a une question, etc. Par exemple, débat. Et quand on nous pense que le débat est très chauffé. OK, d'accord. Merci, Jean. Et un peu beaucoup à gagner. L'homme est venu dans le monde. D'accord, merci pour vous, le compte. OK. Braggs Home Care by Service Nursing Home Care Silipap dans 5 borough New York yo avec dans Nassau County. Professionnel Braggs yo qualifié et certifié dans l'État New York et c'est membre Union IR-2099. Job yo, c'est by client soin, confort, respect et assisté yo puis vin indépendant. Braggs 718-345-5940. Advanced Eye Care of New York gen staff avec équipement pour checker yeux nous et détecter problème vision. Doc Daniel Laroche, ophtalmologiste spécialiste dans glaucoma, fait opération cataracte tout au laser. Dans Queens, 718-217-0424, moi n'attends 212-663-0473. Legacy Pharmacy, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un SAF Group 3 et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne vous attend au 400 South Boat Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908-352-0050. Et maintenant, l'éditorial de Haïti Première Classe avec le docteur Théodore Fayette. Haïti est aujourd'hui à genoux. Un état de fait qui aura fait couler beaucoup d'encre et de salive parmi des millions d'êtres humains qui ont fait fausse route.
par où sommes-nous passés pour arriver jusque-là? Pas de dirigeant à la tête de l'État, pas d'institution pour remettre la pendule à l'heure, pas de leader pour élever la voix. Nous nous retrouvons à la merci de l'étranger pour organiser le retour à la normale où notre population peut retrouver un environnement qui lui garantit la sécurité des vies et des biens. 30 mois de gestion de Premier ministre dit impliqué dans l'assassinat de président héritier d'un pouvoir d'un bandit légal, choix de l'international, nous ont conduit vers un vide. Grâce à ces 30 mois de gestion, jusqu'à récemment supporté par le Core Group, notre État est en faillite. Notre classe moyenne décapitalisée, la grande masse déplacée par centaines de milliers et déhumanisée. Nous nous retrouvons à patauger dans cette culture de la haine où la norme devient la pratique de nous culpabiliser l'un l'autre de notre état de peuple, de notre incapacité à nous unir pour agir dans l'intérêt de la communauté. Si on peut se référer à l'évaluation de l'ambassadeur Daniel Foot, la plus récente tentative de nous organiser nous-mêmes pour produire des élections libres et acceptable par tous les Haïtiens remonte à décembre 1990. Cette démarche a été vite renversée et nous a conduit à cet état d'anarchie maintenant sous contrôle des bandits armés. Nous allons devoir repartir à zéro et avec le menu de la CARICOM pour la création d'un conseil présidentiel qui n'aura été vraisemblablement installé si c'est le vœu de l'international qu'avec le support de troupes étrangères. La tâche de reconstruire Haïti revient aux Haïtiens et aux Haïtiens seuls. Il nous faudra d'abord reconquérir une partie de notre souveraineté, nous engager dans la réconciliation nationale, organiser la conférence nationale et enfin aboutir à l'organisation sans interférence aucune d'élections libres, honnêtes et sincères. Bon, nous revenons, nous saluons tout le monde qui a pu brancher à Haïti Premier Classe ce matin, spécialement dans le Connecticut, nous avons Semé, nous avons Dr. Bertier Prisca Titus, nous avons Angelucie Maniga, dans West Orange, nous avons salué Florence Linda Viviane Philo, dans nous avons nous avons Donald Paul Edline Pierre-Saint, et dans West Orange, nous avons Madame Dumel, Pasteur Corbier qui branché. Dans le bouquin, nous avons Jean-Similien Antoine Koch qui va écouter Turing et Anno Cupidon. Nous avons l'équipe Combit Flower qui va faire pour toutes occasions. Nous avons tout. Et en fait, artiste, nous, Lucien Boudot qui branché. Dans le nous avons pilote malvoisin Rose Messène Laporte, Whistler Jacques, Jean-Claude Cajuste. Dans le Manhattan, nous avons Silot Bernard, Albert Depas, Eric Giraud. Dans le Roselle, nous avons Consiman Yves Obou qui toujours branché dans mes polos. Nous avons Daniel Nazumé, Emmanuel François. Dans l'année, nous avons salué Surette Abraham. Dans Spring Valley, nous avons Fredoville qui est toujours branché. Dans Trenton, nous avons salué Willy Labarin à Montréal. Nous avons salué Venia avec Valérie d'Antica. Nous avons Marc Rosemont avec Ricardo Joseph qui est branché dans chaque Hong Kong. Nous avons salué ensemble avec l'autre prisonnier haïtien. Nous avons dit 20 avril, nous avons encore une journée du livre et des médias qui ont organisé un auditorium Gateway dans Christian Church. Dans Valley Stream, New York. C'est mon pour tout nègre intellectuel get together pour montrer appréciation pour livre, pour travail média. 23 mars, Kabin Lag, 23e gala annuel Gaskov Clergy. Non, on a dit que c'était hier, bien entendu, on a dit que l'été fait, et en pile, mon dit passé dans l'Irlande par la soirée, on a dit qu'on a fait avec Gaskov Clergy, qui a fait qu'aucun chien de travail, non, en fait, au CAI pour baïmoun la santé. Et 31 mars, Kabin la, dans Elizabeth High School, eh bien, gagnant Père Révérend Pasteur Pierre-Éric Charles, capé et clôturé, et moi que le fait, après la prière, gagnant signature livre du tout, Journey with Jesus, et en fait, c'est comme ça le relève, et gagnant tout Pasteur Maloui Kaplatou, et qui gagnant libre que la signe, qui est comment vivre une vie de sainteté, n'a pas appelé à soi, et nous gagnons conférence avec. Et cinéaste et Arnold Antonin, la crise multidimensionnelle haïtienne, comment sortir de l'impasse? Qui en cas outil sous crise, c'est ça Arnold Antonin pour développer sous nous. Sous 91.5 FM, nous avons rappelé que
En fait, gen Radio Centre-Ville qui a relayé conférence à soir à partir de 9h du soir. L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville, de concert avec le docteur Théodore Fayette, vivant aux États-Unis, présente chaque dimanche, 21h-23h, Haïti Première Classe. Haïti Première Classe, c'est une émission sociopolitique qui vous permet de mieux cerner les enjeux politiques d'Haïti, des États-Unis et du Canada. Cette émission met en relief les relations entre les trois pays. Des invités avisés, des experts, des politologues, des acteurs politiques répondent à vos questions. Tous les dimanches de 21h à 23h sur les ondes de Radio Centre-Ville, suivez Haïti Première Classe, une émission sociopolitique. Chaque dimanche matin à 8h, nous gardons Haïti Première Classe. Matin, on a fait un coup de pied en fait dans la politique là, politique pas bon ici avec professeur James Salvano qui peut voir yeux sous chiffre et pour garder en deux candidats ou ancien président Trump avec président Biden qui j'ai une question pour le moment. Et professeur Salvano qui a une question avec ça, je peux dire. Nous voyons que nous observons un national poll et nous voyons que major poll, le sac de PIA en 2021, c'est eux-mêmes n'a pas suivi. Et nous voyons que la trajectoire a été montrée qu'on favorise de Trump à l'international level. Et ça qui est trouble pour Trump, c'est Latino voters et Battleground State. So, nous voyons là, j'ai un slide avec mon cap qui est branché. Pour nous voir qui est en situation actuellement. Parce que la situation n'est pas pour nous même pour Donald Trump. Que but, on a quitté le chiffre pour aller pour nous voir qui est en situation. Et bon, on va en virer là pour nous voir qui est en situation. Sauf à 46-40, j'ai l'impression que je suis devant, je me dis que je ne suis pas bon. Non, l'homme est regardé, il y a un national poll là, que, according to national poll, que, according to Project 598, d'accord, on a utilisé le poll qui était PIAQ en 2021, by the way. Le poll qui était PIAQ en 2021, il montre clairement que, il est presque un dead type. Ça, le problème est avec, parce que l'homme regardé le poll qui était PIAQ, il surprend tout average, il montre que Trump a 43, Biden a 44. Mais, ce n'est pas ça qui tell the story. True story, ça le pourrait allier, c'est pour nous montrer nous, que c'est ça que Battleground State avec Latino voters qui est un problème. Parce que nous avons regardé que Battleground State pour 2024, nous avons regardé Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un climat qui va changer, c'est nous actuellement en mars, avril, mai, juin, juillet. C'est nous qui avons un open mind. Mais le climat montre que si nous regardons Battleground State, nous avons que Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia, Nevada, again, according to CNN poll, et ni West Michigan poll, Republican poll, ni Project538.com, ni 2270 to win, nous avons l'autre poll qui montre que, on va observer que Michigan, Polygon Edge Solid, ça quand rouge là, vers la droite, c'est Donald Trump, et vers la gauche en bleu, c'est Biden. Et on a montré Arizona, Trump gagne Edge, Georgia, Trump gagne Edge, Nevada, Trump gagne Edge, Pennsylvania, c'est le gondette. So, on a parlé que... Vous avez dit que Trump devant tout poli ou ce fois? Non, six battlegrounds, c'est tout. Problème qui pose pour Donald, pour Biden, c'est parce que, well, en 2021, que il a gagné toutes ces terres. OK? Que qu'on y a noué que la bataille pour cette terre. Et ça qui est plus problématique pour Biden qu'on y a là, n'a pas gardé, c'est Latino Voters. Latino Voters montre que, clairement, que Donald Trump a 46 et noué que Biden a 47. Ça, c'est according to New York Times. So, c'est un problème qui est lié parce que nous connaissons que démocratie vote là toujours il live parce que nous connaissons aux environs hein, de presque, aux environs presque de, 36 millions latinos et nous gagnons aux environs de 34 millions blacks. So, latinos a qu'on y a dépassé black voters et représenté une représente 14% et autres représente 16%. Et que ça, c'est un problème qui est lieu parce que pas pour gagner une élection qu'on y a une recette là pour taper dit, ni black vote là, ni latino vote là. Et tandis qu'au DL en battleground, c'est tout. Ça a créé un problème pour Donald Trump à cause que latino voters since the edge. Again, fun came open mind. Oui, mais on dit un problème pour Trump alors que dit que dans battleground, c'est Trump qui a mené. Je ne comprends pas. Non. Il n'y a pas de problème. On doit. Ils sont un problème pour Biden, c'est-à-dire que nous avons pris soin de Biden. Le problème que le poser, que nous, est que Latino voters avec
certaine tradition, traditionnellement, nous connaissons que Latino voters and Black voters toujours edge toward démocrate. Que au moins pour citer un président, c'est président lié, c'est le incumbent, non? Que si par exemple on y regarde, on y a nous connaissons nous 6 mois, 7 mois d'élection, on est toujours gagné, nous gagnons un pile de temps devant nous. But son problème que lié pour nous, qu'on y a qu'on cite un président, il est supposé dans Battleground, c'est tout, il est supposé très compétitif. Et Battleground nous montre que non seulement ils n'ont pas appelé, mais Latino voters et même Black voters, nous avons regardé encore pour même Black voters comment c'est switch, nous gagnons ça qui passe, c'est toujours strong dans Black voters, but ça problème qui pose que nous est que ça crée un problème que l'on edge cap switch et ça qu'on a préféré tout c'est Black voters. Nous est que 7% année passée vient en montée vient en increase to Trump et Biden still being strong en Black voters. Mais le problème qui se pose, nous avons pensé que Black voters pas supposé switch, même nous avons supposé que là 7 mois de élection qu'on y a là nous avons supposé rester tout de Biden veut la switch. Donc ça vient créer un problème qu'on y a nous est que non seulement national polio tout de Trump nous est que Latino voters a ils ont aide sous lui et Battleground State ça vient créer un problème et nous est que qu'on y a là Biden y a un peu de travail pour le faire pour l'appel avec ça les Latino voters mais il y a aussi un travail pour le faire parce que nous allons essayer de garder tout pour nous que comment on va laisser ouais ça car ça c'est nous qu'on est électeur vote là il matters leur parler d'électeur vote. Électro vote la mine something parce que nous connaissons 270 là pour besoin pour gagner 538 at stake. Mais mes problèmes qui posaient, les n'ont des chiffres. Si n'ont des chiffres là, on prend un peu moins là, on fait quelque chose. Bon, on garde des chiffres, ouais, parce que ça que fait Biden compétitif, c'est parce qu'il s'est fait au bleu, on garde les gens en Californie qui gagne 50 électro vote. Mais nous, à Pennsylvania qui est still undecided, Wisconsin qui gagne edge sur lui, but still undecided. But nous voyons que si nous avons ce qu'on a pour nous côté toute red state, c'est côté ça nous aurait les middle state, toute state chop supposé gagner, il y aurait un red déjà. Ça veut dire que les gens ont changé parce que nous avons en mars, nous voyons qu'il y a une grosse différence qui fait l'arrivée jusqu'en novembre. But nous voyons so far, mais ça que tout côté Donald Trump est edge from the Rocky Mountain down to the Mississippi Valley, ça nous aurait les so-called midwestern and red state. Nous voyons que map la favorable. Et nous connaissons 538 en majorité, soit 270, divisé 538 par 2, 269, et majorité à 270. Si l'élection a held today, believe it or not, si nous additionnons toutes les statuts actuellement, si l'élection a held today, que nous sommes démocrates là, lui-même, il n'a pas 225. Si l'élection a held today, et dans notre chambre, ça va 272. Est-ce que tu as une explication qui va parce que sauf par président Biden, son président qui performe bien et en termes de comme président et soit regarder performance monsieur non? Well, nous t'as dit ça c'est vrai, but l'on regarde que bon trend. Si nous t'as go online en clippolitic.com, clippolitic.com monte en trend depuis 2021 bien sacré les que nous voyons que l'on commence après 5 mois, 6 mois en président l'office lui évalue. Sa président fait. Et après 2 ans, après 1 an, nous pensons que le 1 an et demi, 3 ans, il tout va évaluer sa président fait. Et il montre que Biden a sacré long downward spiral, côté que la part, il perdit momentum de l'as, nous pas compte si c'est ça qui a passé sur border, nous pas compte si c'est le travail, qu'elle pas, le travail, parce que approval pour yo, it matters. Parce que l'opinion pour le approval, en plus, on dit, wow, on m'en a ça, mon yo, du l'impôt, c'est pas ça, les arrivés, les voter. Mais il faut prendre en considération ça au Saoudia, parce que à propos pour lui montrer clairement que Biden non download spire, c'est-à-dire que l'abdescend, mais bon, ça crée, il faut qu'on peut arriver pour un swing de momentum. Parce que s'il était comme ça pour 20 juillet, il présente un problème. Parce que à cause que 20 juillet. Oui, mais si M. Peck, so by speech of the union, ça veut dire que on push, non? Well, the nationally, oui, but battleground, Latino, Black voters, peut-être t'as supposé strong yo actuellement en masse, parce qu'en partie de masse, même de janvier, même 2 ans de cela, t'as supposé venir, c'est strong only, c'est Latino, Black voters yo, et ça qu'elle est undecided yo. But nous, que côté que Trump a plead dans battleground, c'est yo, il gagne edge sur Latino à 46 à 40 major pour yo, l'enfant average pour le polls, il montre que il est very strong en Latino. So, c'est-à-dire que les trouble pour Biden actuellement. Ok, now, et mon professeur, et Biden a trouble pour lui là, on Campbell là toujours, on a retourné avec chiffre pour nous essayer de changer, et si on Campbell comme ça. Et là, tout le monde, nous en masse,
Ce n'est pas grave tout pour nous permettre, parce que si nous avons monté Chifio, nous montrons clairement que pour nous aller, nous avons edge. Mais c'est-à-dire que nous avons plus de changer de nos jours en novembre. Okay. So, voilà, en tant que nous, qui ça va changer, bien si Chifio a changé. OK, qu'on peut faire. Merci pour votre présentation. Merci. OK, à la prochaine. Allô tout le monde, it's your lady, Lady Ney, host of Afrique Creole. Bon, dis une petite parole. Chaque dimanche matin, 8h pour 10h, nowhere else to be. Haïti première classe. Et si vous manquez, vous pas besoin de worry. Allez dans YouTube. Cherchez Haïti première classe. C'est là où vous avez toutes les informations ou besoin. Ça va passer dans la communauté. Ça va passer dans le pays. Un seul show, un seul programme. Haïti première classe. Bon, nous venons nous saluer tout le monde qui a pu brancher Haïti pour ce matin, spécialement dans Connecticut, nous avons Semé, nous avons Dr. Bertier Prisca Titus, nous avons Angelucie Maniga, dans West Orange, nous avons salué Florence Linda Viviane Philo, dans nous avons nous avons Donald Paul Edline Pierre-Saint, et dans West Orange, nous avons Madame Dumel, Pasteur Corbier qui branché. Dans Bourguignon, nous avons Jean-Similien Antoine Koch qui va écouter Turing, et nous avons notre équipe Combit Flower, qui va faire pour toute occasion. Nous avons tout. Et en fait, artiste, nous, Lucien Bourdeau qui branché. Dans nos gars, nous avons pilote malvoisin, Rose Messène Laporte, Wisley Jacques, Jean-Claude Cajuste. Dans Manhattan, nous avons Silot Bernard, Albert Depas, Eric Giraud. Dans Roselle, nous avons Consiman Yves Bou, qui toujours branché dans mes polos. Nous avons Daniel Nazumé, Emmanuel François. Dans l'année, nous avons salué Surette Abraham. Dans Spring Valley, nous avons Fred Oville, qui toujours branché. Dans Trenton, nous avons salué Willy Labarène à Montréal. Nous avons salué Venia avec Valérie Dantika. Nous avons dit que nous avons Marc Rosemont avec Ricardo Joseph qui est branché dans chaque coin de Kong. Nous avons salué ensemble avec l'autre prisonnier haïtien. Nous avons dit 20 avril, nous avons eu un coq et une journée du livre et des médias qui ont organisé un auditorium Gateway dans Christian Church dans Valley Stream, New York. C'est mon pour tout nègre intellectuel. Get together pour montrer appréciation pour livre, pour travail média. 23 mars cap vin la, 23e gala annuel Gascov Clergy. Non, n'a dit c'était hier, bien entendu, n'a dit que il était fait en pile monde de passer les rond par la soirée, n'a pas dit qu'il fait avec Gascov Clergy qui font qu'aucun chien travail nan en fait au caille pour bay moun la santé. Et 31 mars cap vin la dans Elizabeth High School. Eh bien, gagnant Père Révérend Pasteur Pierre-Éric Charles Capé et clôturé et moi que le fait après la prière, gagnant signature livre du tout, Journey with Jesus. Et en fait, c'est comme ça que l'île. Et gagnant tout Pasteur Maloui Capla tout, et qui gagne libre que la signe qui est comment vivre une vie de sainteté. N'a pas appelé à soi. Et nous gagnons conférence avec. Et cinéaste et Arnold Antonin, la crise multidimensionnelle haïtienne, comment sortir de l'impasse? Qui en cas sorti sous crise, c'est ça Arnold Antonin pour développer sous nous. Sous 91.5 FM, n'a rappelé que, en fait, Gain Radio Centre-Ville cap relayé conférence à soir à partir de 9h du soir. Livwell Pharmacie l'ouvri pour aider aux prescriptions. Li bay vaccin, guide aux sous gens pour prendre médicaments. Aide aux chercher programme assistance qui basé sur l'âge, assurance et income. Li délivre médicaments la caillou si docteur contacté. Livwell 83 Montvert Mount Place, Newark, New Jersey. Téléphone 973 581 3950. Est-ce que vous êtes fatigué pour chitapement des monde pour mener un caillou docteur? Vous perdez du jour travail pour vous occuper? Pas qu'une raison pour continuer à absent aussi un embarrassement pour famille. Parce que docteur Cavinwell la caillou. Rough and House Call a fin ba ou bon gens soin la caillou. Que ce soit ses visites routines, les ou malades, renouveler médicaments, tests sanguins, radiographie, sonogramme, tout ça yon capable de faire la caillou. Dans 855-800-3444. 855-800-3444. Clinique Dr. Daniel Desrivières offre service consultation pour yeux, prescription lunettes avec prévention toute maladie qui affecte vision non. Dr. Daniel Desrivières, 32 North Day Street, Orange, New Jersey, téléphone 973-676-8113. Comit Flowers Group Table en Brooklyn pour vous effler tout côté pour toute occasion. Tant que mariage, anniversaire, baptême, communion et funérailles. Adresse là, c'est 1452 Flabouche Avenue entre Farragut et Glenwood. Téléphone 718 576 60 68. Views and opinions of the guests of IT Premier Class don't represent the views of IT Premier Class nor the views of NYC Life.
Bon, maintenant nous arrivons là pour la suite à table. Et avec nous, nous gagnons en fait Rodask qui rejoint Bonal, qui est toujours là avec nous, docteur Joram Réjouy, et avec Jean-Bélial Lucien. Docteur Réjouy, et Jean-Bélial a déroulé actuellement en Haïti. Est-ce que nous avons expecté bon force? Parce qu'actuellement, là, nous avons un ambassadeur qui, en fait, non, merci dans nous, ambassadeur, nous ne pouvons pas entrer sans bagou conseil. Est-ce que vous pensez que le conseil a le paré? Qui leur pense les troupes à rentrer parce que j'ai une situation, elle a besoin de troupes. Qui leur troupes à rentrer, docteur Réjouy? Tant pis de questions. Actuellement, question troupes là, aucun bel en attendant que bon gouvernement, nous ne pouvons pas dire exactement qui leur a rentré, mais tout en pas bon gouvernement, nous ne pouvons pas parler pour troupes à rentrer parce qu'il faut gagner une certaine autorisation qui joigne pour rentrer sans quoi son troupe d'occupation va rentrer. Et ce n'est pas intention ça. Intention, c'est une force qui pour venir renforcer la police nationale. Alors, nous souhaitons, puisque Kounia là, il y a tout le conseil là, et nous souhaitons que le conseil là a établi bien vite, et puis a cherché un premier ministre et puis pour former un gouvernement. Parce que il y a toute étape ça au courant, c'est pas un bagage qui automatique lié automatique. J'ai dit que yo publier non conseil là et puis tout bagage là, non, après fin publier non conseil là, faut conseil là choisi un premier ministre d'après now et est-ce que vous pensez que et en fait jouette là j'en pour aller là avec tout membre conseil qui sont dans CARICOM la montée sur dit que possibilité que en fait, conseil là, pas monter son autre pion qui ont l'autre côté capable. Juste question. Oh. Ça, c'est une question très anticipée. Pas souterrain, pas la cuisine, on a suivi. Mais nous connaissons que, par exemple, il y a une seule tête, il y a plusieurs têtes dans la politique américaine. Il y a un doigt miroir, le conseil là devant. Et puis, pendant ce temps, il y a l'autre pion, parce que tout l'autre monde a travaillé même pour le même système. Non. Il est vrai, ils voulaient imposer nous ça, mais même nos parents aimaient ça, ils regardaient l'autre bois beaucoup plus mal, paraît plus violent et qui tape plus gros honte. Donc, et plus, le problème, non, c'est que nous jouons un ancien responsable en ambassade là, c'est promotion, mon seul a fait. Je ne sais pas si comprendre qui gens, pour mon dit même leur affaire politique, pour demander. Pour yon bandit, yon criminel, vin chita sou table pour débattre avenir au pays après toute action malhonnête, zak qui pas admettre aucun côté, là, comme ou non, c'est aller le mouvement conseil là plutôt. Ok, là, en fait, Gonal, est-ce que l'intervention ancienne est en fait. Ambassadrice là, Pamela White, qui t'a demandé pour gagner des nègres qui sont censés dans ce sens où on dit pas correct là, vient monter sous table là. Est-ce que ça pas caché un bagage quelconque ou bien vous pensez son distraction dans la procédure pour en fait qu'il y ait un changement? Et Gonal? Bon, nous avons fait l'interview sur Pamela White à Bali. Hein? Pour pas qu'elle dit, il dit que je parle avec Philippe Batter. Il dit, je parle avec Philippe. Après, elle dit que même Jimmy Cherizier était caché sous table là. Maintenant, il faut poser une question. Quel rapport qui existe entre Guy Philippe et Pamela White? Pour le cas, dit qu'il parle à Guy Philippe. On est, nous avons dit qu'il y a qui a caché. On est, qui a fait prison américain. On est, qui a dit qui a un groupe qui a pris au pays. Mais les deux, ils parlent avec le matin. Là, il faut une grande question qui a posé. Est-ce que nous vraiment sérieux dans la question? Dans le pays ça. Et pas parler, pas de tout le monde. Son monde qui est ambassadeur en Haïti, son monde qui est contact avec ce département, son monde qui est contact avec les gros gradés dans le pays ça. Pour du quel parle à Guy Philippe et pour l'abdou pour mettre Jimmy Cherizier sous table là. Maintenant, je pense que cette situation en Haïti, je dis à la, regrettable ça qui m'a dit, mais je pense que nous avons l'autre solution. Autre que M. Berizia, mais qui a joué pour l'État pour nous en Haïti. Parce que j'en ai eu à promouvoir la question de la révolution, ce n'est pas ça qu'a fait vraiment. Moi, docteur, j'ai appris. Et pas ça qu'a fait vraiment, parce que les gens, même si ça a fait, il y a pris un peu de temps, il y a tué les gens, il y a eu un peu pour la Banque nationale,
yo vle yo yo y a crasé business et yo crasé prison. Jodi a fon ka bay vérité a pour dire que moment arrivé, c'est pas n'importe et pas n'importe force. De tout déjà sous ça. Kenya pa ka résoudre problème là. Même la France, même le Canada pa ka résoudre problème là. C'est Marina Amé qui ka résoudre problème là. Now, docteur éducation a pour d'aller il a fin et by take Paris sous en fait position déclaration madame Nafea et qui t'a est-ce que le fait pour col et est-ce que la contact avec Philippe vraiment quoi nous t'a dit pour elle est-ce que la parler pour département d'état il y a bon on va voir si gagne on songe sur ça les soudoués passe le bac madame Pamela Wright c'est une son sous-doué la diplomatie américaine, son honte pour la diplomatie américaine. Et Madame Pamela White, pour moi-même, lui montrer la dimension d'un écrivain que le Merleau Ponty, qui a écrit Phénoménologie de la perception. Ce travail, ces perceptions de Pamela White, de haïtien que le projeté là, lui pensait que définitivement, nous sommes en République de voyous et passer comme la right fait que l'immérité, comme on a parlé en Haïti, sont les gens qui habitent descendre et le Parlement Haïti avec sa patte en pied pour montrer qu'ils ont traité les parlementaires, nous, qu'ils n'ont pas de respect pour l'institution en le pays. Je fais ces jours, il y a ta grande loi qui a monté par la right, tout à coup, vous avez un respect pour Haïti. Respect nous. C'est nous pour qu'aimer dignité nous, pour une bataille, pour nous construire. Et c'est à travers le comportement nous. C'est le nous élever nos dessus de la mêlée pour nous choisir des mounes qui suspendent des mounes nous trier, qu'on dit, et moi, je suis soldat d'une année à Popoye. Pas où est-ce que vous passez pour arriver là? Et Mme Pamela va trouver que mounes, ça y est, c'est normal pour un salon nous, c'est normal pour un cap façon de futur nous, c'est qu'on s'allie ouais nous. Par conséquent, plus que jamais, Haïtiens, quand vous parlez de cette ville, encore un effort, si nous voulons vérifier de là-bas. Ok, now, docteur Réjoui, en fait, par contre, en fait, l'ambassadeur Fout dit que Haïtiens t'a doué, international t'a doué, quitter Haïtiens, choisi pour contre cas, le monde que le voulait mettre, que le fait ouais parle. Est-ce qu'on voit nous en route ça, ou bien c'est pas nous que nous arrivons là, docteur Réjoui? Bon, alors, vous avez dit, vous parlez de Pamela White, comme si vous doutez qu'elle parle à Guy Philippe. Guy Philippe confirmé qu'elle parle à Pamela White. Guy Philippe personnellement confirmé ça. Et je suis d'accord avec tout ça que dit là avant, sous question Pamela White là. Et moi-même, je me demande Pamela White, est-ce que vous êtes d'accord pour Jeffrey Dahmer, même candidat, pas même pour mettre le nom en commission, candidat pour Board of Education ici aux États-Unis ou bien pour Council, dans aucun côté aux États-Unis. Ou s'il n'est pas d'accord, ça qui en fait lui-même, l'a fait proposition ça par rapport avec Haïti. Et je suis d'accord avec lui, ce n'est pas un monde qui j'en montre aucun respect pour Haïtiens et pendant tout passage li en Haïti et que nous pas qu'à attendre différemment. Le plus souvent, les diplomates yo, en fonction, yo contribué à craser pays ya. Et puis kou yo kite yo gagnen yo elè ça yo gon sainteté qui prend yo et puis kounya la yo gen toute qualité opinion et pitié pour Haïti. OK, là on va parler là de ambassadeur Foukounia parce que changer oui parce que m pa quoi en général et bah pa quoi vous pensez pas mais la wad gen pitié pour Haïti là avec Jean Lapmène nous là. Non, on a parlé de you're right, m'a parlé de ambassadeur Foot, mais en général, ambassadeur là en Haïti, c'est yo fait une série d'actions qui pratiquement contribuent à problème que Haïti a fait face. Et puis après là ou pas en position encore et puis kounya là yo voulait prêcher nous. Yo vle dicter yo vle faire nous connaître que yo c'est meilleur avocat pour nous. Mais cependant, dans ka côté nous y là kounya là, faut que nous dit que question conseil là, c'est haïtien qui propose. C'est pas communauté nationale la proposer. C'est haïtien proposer
Par préférence, la communauté nationale a toujours fait le clair qu'elle a préféré bien un seul monde, et c'est ça qui a été campé avec Ariel Henry, qui voulait pour changer la constitution pour éliminer la question du premier ministre, pour retirer le pouvoir dans main et législatif là pour voter le bail pour qu'abba exécutif là plus pouvoir. On pensait que c'est nous-mêmes et nous toujours dit ça là solution à problème en Haïti c'est dans classe politique là et communauté nationale là contre ça et on pensait que puisque comme pas quoi non on conseil de sept membres personnellement mais cependant c'est pas choix pas lié si moun sa yo ki nan klas politik la, yo pense ke yo gen yon konsey de 7 mamb, 2 observateur ki bon 9 mamb, ki kapab avanse ba yo debloke situasyon an Haiti, mwen m'applaudi sa, ke yo fe sa, ke yo fe li, si apel de bonne fwa. Men malheureusement, nou konen tou ke an pil nan yo se koken, alors se ton pou ton, paske menm si yo nomme konsey la, se ki jan wèl installe konsey sa, parce que conseil là lui-même tout le monde ça OK n'a parlé yo nommé pour entrer dans conseil là yo tout dans caché donc OK now c'est qui compte va le passer pour prêter serment OK now et en fait gros c'est ça que fait dit que faut centrer pour conseil là entrer d'ailleurs pour capable recevoir nouveau ambassadeur ou mais cependant est-ce que docteur réjouit et en fait juste à l'égard de l'ambassadeur foot que pas contre l'ambassadeur qui est réellement capable de défendre Haïti et position que le prend c'est que Haïti doit prendre décision contre par eux même dit que dernier point de fait ça c'est en 90 donc pas quoi ça sorti dans vérité et docteur je fais comprendre tous ces haïtiens qui fait bagaille est-ce que réellement ça qui fait un carré comme non c'est haïtien qui appelle vrai tandis qu'en pile fois haïtien pas même sur table là et en fait gros non c'est pas haïtien qui fait lui. Nous connaissons haïtien pas meneur de jeu dans jouet politique qui a joué journée aujourd'hui en Haïti. Mais haïtien te proposé lorsque tu gagné à Montana que blanc lui-même désistait, il pas respecté si 2 ans de cela. Il était d'accord avec Montana, nous pas t'a côté nous là journée aujourd'hui là. Et journée aujourd'hui là, m'pas quoi monde qui est clair dans rien, je viens créer beaucoup plus de problématiques. C'est là tout m'a pour joindre réjoui. Fort souvent, en pile de frères haïtiens, toujours une tendance, blême victime, nan, les haïtiens. Comme si c'est nous qui pas contre ça, nous voulons, c'est nous qui avons fait des ordres. Mais je ne dis à travers tous les médias, dans tout journal, tout côté, américain même a parlé, c'est nous qui avons mené jouet là, c'est nous qui avons mené Haïti côté Nia. C'est ça, Daniel Fout dit, dans l'interview que je fais avec vous. C'est ça, involvement et arrogance, Pamela White. L'elle monte dans le média pour la proposer ça. Et Béli a raison. Non seulement, je n'ai pas de protocole, pas que j'aime ça dans aucun pays où ambassadeur avec président passé maintenant, ou dirigeant a marché dans toute la rue. Ils te font des ordres et vous venez l'autre qui fait des gangs. Problème, nous sortons aux États-Unis et c'est les États-Unis qui résolvent tout comme facteur dans la politique pays d'Haïti. Nous pouvons chercher mon tête pensante. Vle pas vle ça avec ça y les élites politiques là pour nous marcher. Nous pas qu'à marcher à bandit, nous pas qu'à d'accord à criminel, nous pas qu'à d'accord avec moun kazam. Donc c'est yo créé problème là, c'est yo encore manger d'une façon ou d'une autre. OK, now gonna nous remarquer que on attention qui porte sur Haïti de nos jours, tandis que pays a l'a subi depuis des temps, gagne après travail depuis des temps, est-ce que ou quelqu'un feeling ça des attention ça que ba nous là? Est-ce que vous avez dit que là ou avez dit nous? Bon, et en ce qui a trait avec l'international, ça qui nous est international là, je dis que nous pas international, c'est Canada, c'est la France, c'est les États-Unis. Tout le reste, monde n'a pas compté. Parce que c'est eux-mêmes qui sont internationaux d'abord, eux-mêmes, c'est comme ça qu'ils agissent. Je pense que nous pas jamais eu Haïti, coûte et caméra, nous pas positif. Tout au contraire, nous avons gardé. Sida, c'est haïtien, et yon kon bouja ou te fèl, c'est négatif. Bot pipo, c'est haïtien, yon kon bouja, c'est négatif. Voodoo pipo, c'est haïtien, yon kon bouja ou fèl. Et ça dit, n'y a pas exemple fan qui bien pour Haïti. Et m'ba kwa depuis 200 ans, le monde entier yon embargo sur Haïti pour 200 ans. Et c'est le premier pays dans le monde qui subit embargo. Et depuis 200 ans, même j'ai posé question ça, hein? Pour gens que le monde international là, fait tout le monde possible dans le pouvoir. Pour mettre Haïti derrière, qui se fait nous-mêmes, nous là, toujours, nous camper toujours. Qui a fait pour tout le temps ça, 200 ans,
220 ans pour arriver là. Parce que c'est le seul pays dans le monde là, n'y a pas informé d'investissement là-dedans. C'est le seul pays dans le monde là. Les États-Unis restent monde dans pays blanc, pays occidental. Maintenant, fait tout effort possible pour caser pays ça. Et je dis à la tout dit nous que ça y est, c'est problème là. Même 1915 à nos jours, tout nèg qui passait dans le pouvoir, ça m'y mettait tout, excepté Bébé Jean-Bertrand Aristide. Maintenant, et nous comptons qui ça qui fait. Les Américains entrent en Haïti, premier bail qu'ils font, c'est constitution pays à changer, oui. Pour faire ça, je vais faire la donne. Je dis, nous tombons là, tout le monde connaît que, alors, je dire que l'ambassade américaine, qui a vu 3-4 minutes de côté bandillé, n'a pas mis le plus grand ambassade qui est dans l'Amérique, en Haïti, il a dépensé près de 1 billion de dollars pour être capable de faire l'ambassade ça, et puis il a quitté bandit à faire des gens. Non, 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 ça a fait. Je dis, c'est nous qui sommes haïtiens pour nous ouvrir les yeux, nous, pour nous venir avec une solution problème, nous. Et encore, à la mesure que, nous comme haïtiens n'a coûté blanc pour n'a critiquer haïtiens séparer nous bandits ou font critiquer ça pas bon eux même c'est pas bon mais on met tête nous ensemble pour avancer pays ça on met tout monde sérieux dans notre pays pas des pour blanc vle un monde puis garder ouvrir nous même OK now et Belia et Pamela Wade avec déclaration non sûrement capable pour ton centre bini et docteur Jufek dit là que tout nèg dans caché pas installation et alors possiblement qu'il y a un problème dans installer conseil là c'est comme ça on comprend ni. Est-ce que c'est pas un gros erreur politique que Montana fait que là le fouet dans le conseil ça, si on a plongé le conseil là, on vient avec une solution par Obélia? Bon, le problème Montana posé, maintenant, c'est le syndicat parlé, côté monsieur, dit, je ne vais pas appeler Ariel Henry de près ou de loin impliqué dans le processus ça, du tout. Mais, ça, on va proposer nous comme solution là, maintenant, qui dit ça, il s'est choisi pour les présidentielles là. Mais critères pour choisir pour les présidentielles là, son problème sérieux, il n'y a pas besoin de cette point. Mon problème, le pays a, là on est fait l'un de mois, crase mon pays, et puis je vous dis, a, nous couronner et tout le travail au pays a pas fait entrer, bon revolving d'or pour tout malandré. De paillasson entre le ministère même qui a été fait avant. Qui peut m'expliquer une présence de groupe André Michel sur la vie à Saint pour représenter un dans le conseil présidentiel ça? Bon, quand Joseph récemment passé le pouvoir, M. Sayo, même au titre de sa législature, je vais amener et nous, ouais, qui résulte à nous comme dirigeants, bon crédit, ma belle Claude, ma belle qui vient de faire arriver, j'ai créé un parti avant et là, un parti ça tellement important dans le pays, il y a beaucoup de monde qui a beau et monde. Mon cher Claude Chapeau, mais cependant, si c'est pour moi, monde ça a été le monde qui était sous sanction, peuple haïtien, et ce jour, nous allons commencer à faire inventaire et audit, saner les caravanes. Ce jour, nous allons faire inventaire, audit, et gouvernement, ça se fait. Plein de combien de mois, sans aucune forme de supervision, nous allons combien Ariel et gagné, combien de mois Ariel gagné, combien de Michel gagné, et tout le monde qui a fait malversation pour aimer son tournoi légal et financier légal que M. Santé gagné, c'est là qu'on a commencé à exiger le gouvernement par lui. Non, c'est pour rendre nous compte sous gestion Ariel, c'est pour rendre nous compte. Tout cas, avant le journal là, laisse ça au bas, vous avez de monde qui a retiré pour eux parce que nous ne sommes pas dignes pour continuer à diriger Haïti. Et si n'a pas de l'impunité, n'a pas de amnistie pour bandit, vous n'êtes pas d'accord. Si Philippe Paca, là, et Mbafouro là, mais comment on peut expliquer, représentant de Michel là, et tout le monde qui a été advoqué, qui supporté ou bien ouvertement, ou bien des cailles, des rideaux, et bandits là, parce que c'est le règne de la terreur que nous, les peuples, la vivre là. Vous comprenez? Des malheureux, malheureux, perdus la vie. Et jusqu'à présent, personne ne peut jamais décider qui a mouru et a mouru ou mouru net. Par contre, docteur Réjoui, monsieur, vous pas d'accord avec Bélia dans le groupe qui fait là, à savoir que vous pas d'accord. Et pour un entourage inclusif,
rapidement font un petit tête à tête. Moi là pour capable, parce que moi fais coup de tête là pour capable et argumenter pour qui ça, pour point de vue pour là l'Italie ou bien tout pour là-dedans. Bon, alors, Béli a toujours a parlé d'exclusion et nous connaissons que politique, autre que je m'y mette là, n'est pas bon parce que nous vivons dans toute bayonnette. Ce n'est pas seulement dans une bonne, dans toute bayonnette et nous avons qui conséquences les gagnent. Pas quoi nous oblige et nous. L'on a parlé de André Michel, surtout André Michel n'a pas de place officielle dans le gouvernement. Je ne suis pas un problème, je ne suis pas d'accord avec la position politique, mais cependant, je ne suis pas culé pour cette position politique. Ces positions parlent, bon, nous ne sommes pas d'accord, chaque monde fait route par eux, je respecte ça. Mais alors, si nous parlons de une solution à un problème que nous fait face à Kounia là, nous connaissons que c'est dans la classe politique là, je pense que c'est une belle initiative pour essayer de rassembler la classe politique là. Bon, moi-même, tout un problème avec. En Claude Joseph, parce que Claude Joseph inculpé, mais lui-même tout l'a adressé ça, il a adressé ça pour lui dire que oui, c'est devant la justice pour l'aller. Mais cependant, lui fait partie d'un groupe politique et monde ça a choisi comme leader politique. Donc, lui toujours. Donc vous pensez que Paul Bélier a minimisé, eh bien, M. Ali, il va fondre ça. Non, non, je ne suis pas d'accord avec l'approche Bélier là du tout. Parce que ok, non, je ne suis pas d'accord avec Claude Joseph n'a aucune place officielle. Il n'y a rien qu'à faire dans le pays. Rapidement, excusez-moi, permettez-moi de dire que Claude Joseph n'a pas une place officielle dans aucun gouvernement en Haïti, dans l'État. Cependant, lui, chef en parti, c'est-à-dire, c'est responsable. Mais vous dites ça déjà. Donc, je lui dis seulement que le parti a fait fête. Je lui dis seulement que le parti a fait fête. Il n'y a pas de place à ça. C'est ça, je lui dis seulement. Non, mais il y a une carte question, Mondana. Est-ce que le Pamela White Bean avec l'idée a fait pour mettre M. Gango sous table? Est-ce que c'est pourquoi il cache un bagage ou quelqu'un qui a tout flouche, Mondana, parce que lui entre dans la logique pour entrer dans le conseil là? Moi-même, si je bien comprends. Je ne veux aller aussi clair que, d'après mes têtes, le peuple haïtien n'a pas voulu imposition, il n'a pas voulu manipulation, il voulait un jeu politique sain qui peut jouer avec des éléments capables, compétents, qui ont une vision pour le pays, un bien-être pour la collectivité. Ce n'est pas ni PHTK 1, 2, 3, il voulait boire une quatrième version. C'est là où je trouve Bélia. Où c'est d'éléments. Passé au trop lou, passé au pas bon, y a pas gen place bon tabla. Nous pas prêcher exclusion, mais ou nom ka fait crime, qui touye moun, qui fait des actions mercenaires, comment on va le faire chita avec? Sans beaucoup même pour une conférence nationale. Non, même pas quoi, pas quoi, réconciliation nationale. Docteur Ejou, docteur Ejou, pas arrivé là. Docteur Ejou, pas arrivé dans Gifit, pardon, à la vérité. Il pas arrivé là. Now, Bonal, qui proposition rapide ou attaque à société dans la crise là? Donc, solution haïtienne, est-ce que vous voyez ça bini, Gonal, rapidement? On ne va pas que la vie dit ça, parce que l'on parle de sept têtes. Et nous, nous avons une culture, ça. Et pour nous parler de sept têtes. On a eu ce temps qui a perdu. Et je pense de jour en jour que nous plus près, on force américaine pour rentrer en Haïti pour stabiliser le pays. Now, et Gonal, est-ce que vous avez senti ça pour ça? Bon, moi-même, je ne sais pas que la plateforme a utilisé pour nous. Pour revendication, pour être réalisé, même avec les riches de pays, les Haïtiens qui vivent de l'euro, ils ont une pensée, une formule pour être inclus là-dedans. Non, mais qui est-ce que vous représentez? Vous ne pouvez pas connaître qui est-ce que vous représentez? Mais nous-mêmes, job, nous, c'est tellement vrai comme le baron de pays. Bien que nous connaissons que nous avons su qui organise, oui, mais ça montre que les politiciens en Haïti, nous, nous, là, c'est mon beau fait au monde, soit une casèque, une députée, ou est-ce que vous montrez que vous êtes progressiste, mais en vérité, l'opportunité est intégrée, nous pas 6 le douzaine, là. Et nous avons pensé que, même nous réaliser que, combien de monsieur au Québec sous liste, quand vous loin, regardez, pas poché, je vous, c'est vous là. Bon, et Bélia, je pense que gagner un monde diaspora, sauf que et peut-être nous ne nous pas connaître. Et c'est à ça. Nous ne connaissons pas. Non, nous ne connaissons pas. La diaspora est très large. Donc, en que Bélia, monsieur, nous avons la prochaine semaine prochaine pour l'autre chita sous table. Merci.
Riobof El Delicare gen un staff compétent qui paraît pour assister grand monde qui besoin aide la caille. Gen RN, LPN pour évaluer yo. Physiothérapiste pour aider yo faire exercice. Et tchèche pour aider yo ranger koyo. Faire yo songer prend remède. Ba yo service ak dignité. Riobof El Delicare, 2322 Grand Avenue, Baldwin, New York. Téléphone 866-580-3545. Clinique dentaire, Dr. Jean-Édouard Fayette offre un pile service tel que rachet dents, cleaning, plombé dents, route canal. 456 Schenectady Avenue, dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Miguel Restaurant and Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue, Westbury. 516-338-4933. P&B Pharmacy, établi dans Brooklyn, New York depuis 2016 et l'a servi communauté comme ça doit. Yon staff courtois, professionnel, qui parle créole et qui remet aux prescriptions médicaments, cool paré. P&B Pharmacy, 1115, Nostrand Avenue, Brooklyn, New York, téléphone 718-649-1111. Et maintenant avec vous, les faits qui ont dominé cette semaine l'actualité en Haïti avec notre équipe sur place à Port-au-Prince. Positionne-nous comme avocat sur cette question du conseil présidentiel. La première question qu'on devra se poser, c'est que dit la loi? Que dit la loi sur cette éventuelle formation de conseil présidentiel? Maintenant, est-ce que l'on va aller dans l'article 149 Constitution qui ça dit le gain vacances présidentielles et le bain président? Maintenant, est-ce que Constitution a mandé en tout li parle de juge de la Cour de cassation? C'est dit là, première question que vous posez tête, nous sous qui régime constitutionnel? Qui s'en a supposé appliquer? Est-ce que c'est ça qui est amendé ou bien ça qui n'est pas amendé? C'est extrêmement important. Donc, nous-mêmes, dans le niveau cabinet advocatus, il est extrêmement important pour nous comprendre que ça qu'a fait là depuis le pas cadré par rapport à la loi. Donc on pensait que les pas le problème plus devant parce que tout ce qui ne respecte pas les prescrits légaux est déjà voué à l'échec. Nous même n'a dit conseil présidentiel ça est inconstitutionnel. Pour qui ça dit ça? Parce que le moi comme avocat mal dans texte de loi, mal dans constitution, Malina, qui ça la loi dit, à aucun moment je ne peux pas parler du conseil présidentiel en cas de vacances présidentielles. Nous avons une crise extraordinaire, nous avons une crise aiguë. Maintenant, est-ce que les législateurs là déjà prévoient ces circonstances? Maintenant, on voit que CARICOM était venu, CARICOM a des partis politiques qui voyaient des noms. Donc, tout le monde est content, tout le monde voyait non. Mais pour nous, qui peut le poser plus devant, c'est la constitutionnalité de ce conseil présidentiel et de la juridicité. Est-ce que au regard de la constitution, la bien place li? Comment yo pralé les actes que moun sa pralé poser? Moun sa passible par devant quel tribunal? C'est un simple problème ça qui va le poser. Bon, par exemple, très clair. Les juges de la Cour de cassation, ça qui bien nommé, ils ont été nommés par le président de la République, il était là. OK? Il était prêté serment. Kounya, est-ce que moun sa yo, yo pral prêté serment? Est-ce que moun sa yo, et comme si moun qui pas nommé conformément à la loi, pral en mesure qu'a prêté serment par devant moun qui nommé conformément à la loi? Par contre, si nous tout un imbroglio ça va le poser. Maintenant de deux. Conseil présidentiel ça, est-ce que li pa vin un coût économique pour pays a? Est-ce que li pa va affecter dépenses l'état? Est-ce que li va avoir un impact sous dépenses l'état, sous caisse l'état? Pour qui ça? Alors c'est position nous comme avocat, pour qui ça nan mitan conseil ça, yo pa font choix final. Té di 5 moun sa, 6 moun sa, ou met ensemble di bon, n'ap résigner nous, n'ap désigner nous un seul moun. C'est-à-dire, son effort est titanesque lié, mais il faut le faire pour le bien du pays. Parce que dans ce moment-là, un conseil présidentiel avec 5, 6 ou 7 ou plus d'observateurs, ça fait beaucoup.
5 chaises ou 6 chaises, etc. 6 voitures, 6 côtés. Ils sont un ensemble de dépenses qui sont inutiles. Mais ce n'est pas ça qui intéresse la Kounia. Ça qui intéresse là, c'est quelle solution apporter immédiatement à cette crise qui ronge le pays, qui ronge la société. Et je voulais faire connaître, messieurs, dames, les journalistes, messieurs, dames, crise dans son crise, nous supposons considérer dans toute dimension. Dans le moment de parler, nous avons plus de 2 millions de monde qui ont un grand goût. 2 millions de monde qui ont un grand goût. Ça veut dire qu'il y a 2 millions de monde dans ce moment-là qui vivent à moins de dollars par jour, avec moins de dollars par jour. Ça veut dire que nous avons une situation côté famine n'a pas aiguë, famine n'a pas en pile. Ça veut dire que jeunes nous pour laisser pour compte. Et phénomène gangsterisation, ça résoudre pas pour aujourd'hui. Et faut comprendre que par rapport avec prolifération gang ça a occupé pays, situation a plus compliquée. Bon m'expliquer nous, bon font une description pour nous. L'école pas ouverte. Banque fermée. Aéroport fermé. L'hôpital fermé. Tribunal fermé. Institution publique ou privée fermée. Toutes les entreprises privées fermées. Grand pile moun ka perdu travail. Et c'est pour nous comprendre dans quelle crise que nous sommes là. C'est-à-dire, moi, désolé, et moi, regrette que je constate dans tout débat qu'a fait, c'est des débats éminemment politiques. Mais pas des débats qui touchent, qui considèrent effectivement la gravité de cette crise. Nous-mêmes, comme avocats, nous sommes obligés de faire conférence de presse parce que. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et quand on dit cap dit matin là, Unibank il y a une possibilité pour pas ouvrir porte dans toute région métropolitaine pendant un certain temps. C'est-à-dire la difficile pour mon accès à l'argent parce que banque eux-mêmes, ils sont obligés de protéger tête. Et l'hôpital fermé. C'est dit son monde victime là, son monde malade, ça arrive que le mourir la caille pour ce crise aiguë. Situation hyper compliquée. Et nous-mêmes, au niveau cadre cap défendre droit moun, nous constatons que c'est une plus grosse violation droit moun qui a fait là par rapport à la crise ça, par rapport à la crise qui a rongé pays là. C'est dit peuple haïtien pas capable quoi. C'est dit moi-même m'obligé finir comme avocat pour me lancer SOS ça, pour me lancer alerte ça, pour me lancer cri ça. Parce que le peuple n'en peut plus. Les gens, les pauvres, les laissés pour compte, les malheureux, ceux qui sont faibles. C'est-à-dire, ça n'a pas de moyens, ça n'a pas de travail. Ou imaginez un monde qui t'a cherché la vie, qui n'a pas touché bien. Maintenant, venir vont côté que le tribunal fermé, l'hôpital fermé, le bureau fermé. Nous-mêmes, au niveau cadeau, maintenant, on est remis à essayer de lancer un message, ça ou bien parler à un monde qui concerne eux. Monsieur Nabgadem, il faut comprendre que le pays a disparu d'un moment à l'autre. Faut comprendre que pral gen plus misère, messieurs dames. Faut comprendre que grand goût li pral plus, pral gen plus frustré. Pral gen plus raillissement parce que moun ki bò kote la pa ka manje pral rayou le wap manje. Situation difficile. Et je dis à la, nous prenons la presse pour nous tirer la sonnette d'alarme, pour nous dire international là, pour nous dire moun k'ap décider pour nous yo, le peuple haïtien souffre. Le peuple souffre énormément. Nous-mêmes, comme défenseurs de la monde, nous n'avons pas de pouvoir pour nous faire tout le bagaille, mais nous avons une voix nous, pour nous dénoncer, pour nous crier, pour nous lancer SOS. Pour nous dire ce qui a passé là, nous ne pouvons pas vivre encore. Et permettez-moi rapidement de passer dans le deuxième point pour me dire que nous avons une connexion entre la crise et ce qui a passé dans la justice. Là. Bon, nous n'avons pas embrasser tout le bagaille. Mais question politique qui vient là qu'on y a désaccord politique gang cap prend pays a tout côté fermé badel a fermé badel m'a fermé gallon gaz qui est à $300 sac d'huile qui est à coûter $1,500 gallon l'huile qui est à coûter $600 t'as dit faut comprendre que si pas grand fait par une famine jodi an nous décidons nous pour nous mettre voix nous dehors pour nous parler comme haïtien. Parce que faut que un monde qui parle pour
haïtien en tout. Nous vivons l'opposition que nous pas qu'à prendre décision par nous-mêmes. Nous tellement pas qu'à prendre décision par nous-mêmes. C'est étranger qui prend décision pour nous. Donc le fait que nous pas qu'à grand monde tête nous. Depuis des et des années, peuple haïtien n'a eu esclavage moral. Nous pas qu'à prendre destin nous en main. Aujourd'hui, peuple haïtien campé d'un seul homme, d'une seule femme. Vous dit, nous prêts pour nous prendre destin nous en main. Nous partis, nous pas besoin de monde pour travailler avec nous. Nous pas qu'à dire, nous pas besoin international là. Mais je dis, nous besoin pour aider nous, pour nous avancer. Mais pas prendre décision pour nous, de ça nous besoin pour le pays. Il y a une lutte qu'a fait depuis des années. Pour pays arriver côté lié. Ça nous est qui fait à terre. Travail nous est petit de saline fait à terre. Gaz nous est voyage sale bois à terre. Yo. Moi pas quoi c'est pour grand merci. Yo fait pour aujourd'hui pour papa ici capable de décider par eux-mêmes. Jodi on nous dit clairement, encore que CARICOM présenté à nous maintenant, nous ne voulons pas. Nous avons un problème avec CARICOM qui a fait accord. Mais nous clair, ce n'est pas accord peuple à cause de ça. Et nous clair que tout le peuple, c'est la voix de Dieu. Il a tourné sous décision. Même si nous avons fait valer décision, tant de pas de transition dans transition. Même si nous avons fait valer les premières activités que nous avons fait, et comme nous avons éthique, nous avons éthique professionnelle, nous prend trop de déceptions dans le dossier ça, et car comme nous n'avons pas de loi pour le fouiller bouche dans le niveau ça dans le pays, parce que loi sous accord international entre deux pays et pays, pas de ça, moi, car comme avec l'autre pays, a fait comme ingérence. Et moi dis, et dans toute fois m'a parlé, dossier Haïti a gen pour faire perdre gros avantages. Dossier Haïti a gen pour faire honte. Et moi connais un paquet de pays qui gen moralité, mais pour moi même pour Haïti, yo semblé d'accord perdre éthique yo, yo semblé d'accord pour perdre moralité yo pour ça yo besoin en Haïti. Et m'a ba un conseil, si gon bagay yo besoin en Haïti, c'est pas voir ça pour passer. Gangsteriser peuple là. Tuer jeune garçon yo sous fatra. Fini avec yo, retirez yo dans société ya, mettez yo dans prison, maquillé, côté yo pas qu'à déplacer, ou tande moun sa chef tel côté, di pas qu'à traverser tel côté, c'est une méchanceté et yo kon sa yo ap fè ya. Mais heureusement, bon Dieu fait, puis fol la dan yo commence wè clair. Bon Dieu fait, puis fol la dan yo commence wè ki sa ka passe ya. Yo commence retourner en yo même pour yo di haïtien c'est frèm. Haïtien c'est papa, haïtien c'est cousin, haïtien c'est cousine moi, haïtien c'est maman, haïtien c'est ma tante moi, m pas capable à virer zam nan sou yo mais n'a tourner ni vers côté de sortir. Et moi pense son initiative qui capable mettre pays a non solution réelle les tu messier ça yo marginalisé yo pesé avec zam et yo prend yo comme terroriste, m pense jour vraiment yo font bagay sérieux côté yo comprendre haïtien c'est frère yo haïtien c'est sœur yo moi quoi peuple là a sorti dans la sortie a et puis international là gen pour honte des dossiers ça et nous clair dossier haïtien gen pour enterrer diplomatie internationale là sur Haïti si yo pas changer et ce conseil qui pral créer plus grand gouan dans pays ce conseil qui pral créer plus fatran dans pays. Son conseil qui va créer plus de division, plus de yin-yang, parce que son conseil budgétivore lié. Son conseil qui coûte les gens dans la province. Son conseil qui coûte les gens dans le quartier populaire. Son conseil qui coûte les gens dans la diaspora. Parce que, je dis,
là nous d'accord entrer dans schéma ça pendant nous-mêmes dans organisation mouvement des jeunes non nous dit que faut que pays a propreté faut que environnement sain faut que moun vive dans comme dans pays a mais si nous t'as dit nous dans démarche pareil côté comme là a sorti mais l'argent trésor public là nous met tout connait c'est des moyens qui pour allouer pour fonctionnement conseil ça et on coule cette tête sorti pour lui nous sous c'est nous cette première dame parle que cette première dame cette cabinet présidentiel cette cortège cette tigougout tibougout cette famille présidentielle pour la police qui va même cabaye tête les sécurité à sécuriser qui côté avait dit tirer ce sous pays là pour venir sous celle nous dit que et puis plus de l'autre couleuvre encore oui qui va faire 9 oui nous dit retirer quoi dans magasin m'a dit avec ancien sénateur Edgar Leblanc fils on nèg tout monde jusqu'à là pas que trop bagaille on monde qui reproche dans pays Raichon dit dans blanc sénat Edgar Leblanc fils on connait pas la vogue de l'heure oui ça pas trop longtemps et nous ouais on l'aime dans l'OPL nous te font petit parler ou son nèg qui correct mais c'est quoi dans bagaille ça sénat parce que pas pour finir même avec madame Hippolyte Maniga qui sont honte pour défait Maniga professeur illustre professeur Brax Home Care by Service Nursing Home Care Silipap dans 5 de New York yo avec nana Nassau County professionnel Brax yo qualifié et certifié dans l'état New York et yo c'est membre Union 1199 job yo c'est by client soin confort respect et assisté yo puis vinn indépendant Brax 718 345-5940. Legacy Pharmacy, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un SAFRO 3 et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne vous attend au 400 South Boat Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908-352-0050. Ici, madame, monsieur, pour enfin cette édition première classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti première classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live. Pour votre émission préférée, Haïti Première Classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, composez le 973-568-1447 ou encore, envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au thème de cette édition, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment notre éditeur Eddie André, nos caméramans Wilkins Haïti, Prince des Forges, Joseph Rojarion, Michel Jeudi et Pierre Léandre, nos maquilleuses chez l'agent et Simon Desbarrières, assisté de Franchal, sous la direction d'ingénieur Nelson et Pierre-Louis. Nous vous rappelons ce soir, à partir de 9h, vous avez rendez-vous avec votre émission de radio Haïti World Class sur le 91.5 FM, émission qui sera relayée par Radio Sandouville à Montréal. Bon dimanche. Ici, mesdames, messieurs, prend fin cette édition Première Classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti Première Classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée Haïti Première Classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, composez le 973-568-7447 ou encore, envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au thème de cette édition, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment notre éditeur Eddie André, nos caméramans Wilkins Haïti, Prince des Forges, Joseph Rosaillon, Michel Judy et Pierre Léandre, nos maquilleuses Chez l'Agent et Simone Desbarrières, assistée de Franchal, sous la direction d'ingénieur Nelson et Pierre-Louis. Nous rappelons ce soir, vous avez rendez-vous avec la conférence du cinéaste Arnold Antonin sur la crise politique haïtienne. Et cette conférence sera retransmise en direct par Radio Centre-Ville à Montréal. This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class LLC.